enseignante retraitée est devenue la pierre angulaire et l'âme de l'organisme Espoir de vie, qui aide les patients traités en oncologie et en radiothérapie. Pour sœur Hélène Beaulieu, qui est aussi répondante de la vie, consacrée au diocèse de Trois-Rivières, poser des gestes d'humanité est un aspect primordial de son bénévolat. Tête d'affiche, une présentation de Radio-Canada Mauricie et du Nouvelliste. Le téléjournal de 8 heures avec Simon Durivage à Radio-Canada. À cause de la marée noire, les pêcheurs de crevettes de la Louisiane sont en faillite. En attendant de pouvoir retourner en mer, BP leur offre du travail. Mais quand la situation sera réglée, y aura-t-il encore des crevettes? Une heure sur terre, vendredi 21h. Vous avez envie de vivre une semaine inoubliable avec des collègues de travail, des amis, votre famille? Nous sommes en période de recrutement pour la 4e saison du Moment de vérité. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web de Radio-Canada et à votre tour, vous pourriez entendre... Agenda culturel d'un océan à l'autre. On va commencer avec le Festival international de poésie de Trois-Rivières qui commence là et jusqu'au 10 octobre. Alors là, c'est extraordinaire. Partout dans les cafés, il y a plus de 70 lieux où les gens laissent sortir leur merveilleuse. Mais il y a des villes là, oui. On voit ça. Et puis pour peu qu'il fasse beau en fin de semaine, c'est un endroit que je vous recommande fortement. Mais je pense que le public de Radio-Canada est déjà ameuté sur le Festival de poésie parce que l'émission à la semaine prochaine, oui. L'émission de Philippe Lagu, oui, oui. Ils étaient hilarants. Et puis en plus, on accueille des... Quels gens étaient sur les sentiers de la poésie? Ah, c'est bon. Dit. On accueille des poètes dans les classes, on donne une place à la poésie. La poésie partout. Oui. Rendez-vous. Est-ce que l'automne est partout aussi? Oui. Est-ce que l'automne est partout aussi? Oui, à Rimouski, entre autres. À Rimouski, oui, mais aussi à Carleton-sur-Mer. C'est le festival La Virée. Et ça, si vous avez besoin de remplir votre besoin de folklore, parce qu'il y aura Gala, Tu perds ton temps, Les Langues fourchues, Les Tireux de Roche, j'adore les noms de groupes traditionnels, moi, et tout ça. Et Yves Lambert aussi, Le Bébé Orchestra. Alors, ça sera le festival de La Virée. Je redonne la date du 8 au 10 octobre. Oui, puis moi, je reviens sur Trois-Rivières parce qu'il y a des invités prestigieux et j'en ai nommé aucun. Il y a de Québec, il y a Hélène Dorion, il y a Jean-Marc Desjans, il y a Denise Boucher, et de l'étranger, il y a Suzanne Dracius de Martinique, Derry O'Sullivan, bon bref, des tas de gens formidables à les rencontrer à Trois-Rivières. J'enchaînerai cependant en parlant du Celtic Colors Interfestival au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, qui a lieu du 8 au 16 octobre seulement. La Nouvelle-Écosse, c'est la Nouvelle-Écosse. Faut y aller. La Nouvelle-Écosse. Le festival est international. International? Oui. International. Celtique. C'est de la musique celtique, oui, c'est ce qu'il faut dire. Alors, il y a des centaines de musiciens d'un peu partout dans le monde. Et on attire les gens au Cap-Breton. Ça, je sais que je serais pas capable. Pourquoi? Oh non, plus que deux cornemuses, je me dis que c'est aussi c'est pire que des dégagnants. On devrait pas y aller cet après-midi à 5 heures, chez Ogilvy, ça te ferme les portes. Si tu veux de la cornemuse, tu pourrais pleurer. C'est très merveilleux. Avec André au piano. Oui! Il y a une foire aussi en Ontario. Oui, il y a une foire. La foire de Brigden, oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est à Sarnia, en Ontario. Mais ça fait plus foire agricole, avec l'exposition de bétail, exposition de différentes marchands, divertissement, tout ça. On mélange les bêtes, il y a un concours de bébés aussi, il y a un peu de tout. Une foire agricole. Oui. Mais oui. Je suis folle de ça. À Saint-Hyacinthe, pendant des années, les beaux bœufs, des animaux, là, écoute, elle fait rêver. Reste calme, les mots t'appellent, mais demain, à l'émission, il y aura aussi de quoi t'affoler, il y a Nico Archambault qui sera avec nous, Nima Machouf, Simon-Olivier Fecteau qui viendra au club de gars, et il y a une rediffusion à minuit et demi. Bonne journée, j'espère que vous avez fait soleil dans votre maison. Merci, cher public, merci mesdames, merci Michel, à demain, même heure. Invite à participer au grand vote populaire de la disque et choisir les interprètes et le groupe de l'année. À gagner, un voyage pour deux à Paris, 5 000 $ et une radio satellite Sirius. Rendez-vous sur radiocanada.ca/disque. Bonne émission. Aujourd'hui, à Pierre-la-Ville avec Pénélope McQuaid et Catherine Coulomé, on vous promet une belle émission.
dirais même une très, très belle édition. Ah, t'es bien fin, Sébastien. C'est bon pour le moral, merci. C'est bon, vous regardez aussi. Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans le studio 43 de Radio-Canada. On va deviner et faire deviner les mots dans les 30 prochaines minutes. C'est ça, Pyramide. Et allons rencontrer notre champion Martin Grenier de Montréal. Martin, bonjour. Deuxième émission, vous avez gagné un vélo horizontal Club Piscine Super Fitness et 550 $. Nouvelle technique anti-âge, plus un test de crème anti-rides. En mode, on a repéré pour vous les plus beaux manteaux d'hiver. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. Osez la sensation au Centre des arts de Shawinigan. Voyez le premier one-man show de l'humoriste Philippe Bande, le 13 novembre. Et le 26 novembre, le maître de l'hypnose, Mesmer. Billets en vente dès maintenant. C'est l'avant-fin de saison chez Trois-Rivières Honda jusqu'à 6 000 $ de rabais sur les 2010 et la Civic est à partir de 13 985 $, transport et préparation inclus. Trois-Rivières Honda, parce qu'on est fort et fiers. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières. C'est jeudi. On y va à Fontaine. Et hop, casquette. Avec le direct, tout peut arriver. C'est toujours la forme des choses. Oui, hein? Non, jamais simple. On va être high-tech, je ne sais pas si vous allez suivre. Allez hop, allez hop! Alors, ça me fait plaisir de vous présenter mes bijoux de famille. On en va encore! Oui, on en a Soyez fidèles au poste, jeudi 20h. Ça va être écœurant. Une présentation des courtiers Réma et de Génacol. Est-ce que toutes les pizzas surgelées sont égales? Voici une pizza faite avec du stéroïde lactylate de sodium. Elle a l'air d'une pizza, mais pour nous, ses ingrédients ne sont pas ceux d'une pizza. Et maintenant, voici la pizza lève au four de luxe de McCain, faite de tomates en grappe fraîche, de fromage mozzarella et de pepperoni apprêtés à la perfection. Bref, d'ingrédients que vous pouvez prononcer. Voyez par vous-même en comparant les étiquettes. McCain, que du bon. Bonjour, ici Patricia Paquin. Ce mois-ci, dans votre Moi et compagnie, découvrez comment mieux manger pour vivre en santé avec Isabelle Huot. En plus, Moi et compagnie célèbre son 4e anniversaire. Pour l'occasion, on vous prépare tout un party de filles et un nouveau site internet moi-et-compagnie.ca, en ligne dès le 25 octobre. En beauté, on vous présente 5 nouvelles techniques anti-âge, plus un test de crème anti-rides. En mode, on a repéré pour vous les plus beaux manteaux d'hiver. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. Osez la sensation au Centre des arts de Shawinigan. Voyez le premier one-man show de l'humoriste Philippe Bande, le 13 novembre. Et le 26 novembre, le maître de l'hypnose, Mesmer. Billets en vente dès maintenant. Mon style, mon confort, ma boutique. Caron Chaussures. Il n'y a pas que du négatif, il faut voir le bon côté des choses. Tu fais allusion à Kai? Je tiens beaucoup à lui. Je suis ravie que tu aies l'occasion de passer un peu de temps avec lui. Oui, moi aussi. D'ailleurs, on s'amuse bien quand on est ensemble. C'est génial. Chaque moment que je passe avec lui reste gravé à jamais dans mon cœur. Ça compense ce que tu as raté avec Danny Junior. Je ne veux qu'être sa gentille belle-mère. Tu es une belle-mère extraordinaire. Je n'aurais pas pu espérer quelqu'un de mieux pour mon petit garçon. Tu le penses vraiment? Quoi? Oui, je le pense vraiment. J'en suis persuadée même du plus profond de mon être. Et puis tu as toute la vie pour t'entraîner. Et je sais, Diane s'installe à Genoa. En effet, et ça signifie également que Kai pourra passer beaucoup plus de temps avec nous. Je suis aux anges pour le petit. Et en ce qui concerne le fait que Diane s'installe définitivement en ville, tu y survivras? Ça, c'est un autre problème. J'y survivrai. Je vais me concentrer sur Kyle. Et je ferai en sorte
de lui offrir une relation stable. C'est mon vœu le plus cher, Jack. Je vais m'assurer que lorsque Kyle est avec nous, il se sente en sécurité dans une famille heureuse. Je suis prête à tout pour le rendre heureux. Je veux que nous soyons heureux tous les trois. La dernière fois que nous avons discuté, j'ai eu l'impression que vous aviez une idée derrière la tête. Vous croyez ? D'accord, vous n'avez pas confiance. Très bien. Mais vous avez éveillé ma curiosité. Cela voudrait dire que vous avez enfin accepté cette situation, à moins que la relation entre Jack et Phyllis soit en train de se dégrader. C'est un peu débile. Tiens donc. Ça devient intéressant. Oui, mais je ne vous en dirai pas plus. Ah, s'il vous plaît, Diane, ne soyez pas injuste. Je mérite mieux que ça après tout ce que nous avons partagé. Bonjour, Diane. Je suis navrée d'être en retard. Ah, bonjour, Sydney. Vous pourriez me laisser, Isabella ? Un entretien avec votre avocate ? Oui, je suis contente de vous avoir vue. Je vous appellerai dans la semaine. Sur votre portable. Tout est prêt ? Oui. Montrez-moi ça. Vous réalisez l'impact que ça va avoir. Vous êtes sûr de le vouloir ? Donnez-moi ces papiers. J'en reviens pas que tu aies fait cette folie pour moi. J'en reviens pas que tu portes ce costume avec autant d'élégance. Il me va comme un gant. Tu peux me dire comment tu savais quelle taille je faisais ? Et je te signale que ça fait un petit moment que je t'examine des pieds à la tête. Ah, oh, je suis flattée. Il vient de chez Fenmore. Ouais, ça te pose un problème? Disons qu'il va falloir que je travaille pendant un mois pour te rembourser. C'est un cadeau. Je ne suis pas sûre de pouvoir accepter ce costume. Oh, mais bien sûr, tu le peux. Tu t'imagines quoi? Tu essayes d'acheter ton affection, je ne suis pas comme ça. Quoique, j'aimerais bien que tu m'appartiennes. Je t'appartiens déjà entièrement. Ah oui, alors prouve-le-moi. Non, arrête. Sharon, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolée, je peux pas, Nicolas, je peux pas. Ce comportement étrange dure depuis trop longtemps. Je veux que tu me dises de quoi il s'agit immédiatement. Je ne peux pas. Je sais pas ce que tu caches de si terrible au fond de toi, mais je crois qu'il est temps que tu me dises la vérité. Alors réponds-moi. Tu as gagné, je te dis. Je vais te dire toute la vérité. Ça fait des mois que j'essaie de te cacher une vérité immonde. Et ça me rentre à l'intérieur. J'ai essayé de te le dire tellement de fois, mais à présent, j'en peux plus te mentir. Seigneur, aide-moi à avoir le courage de parler. Oh.
propos de Diego. Cette semaine, tellement fort et saine. Peuvent devenir complices malgré eux. Avec un numéro de série du loto, on peut même aller chercher un code de clé. Ça me rassure pas, ça, madame. J.E. Enquête, ce vendredi 19h à TVA. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Une présentation des déjeuners de Burger King. Patrick? C'est encore mon oncle. Ça finit bien la semaine. C'est votre meilleur début de la saison. Qu'est-ce qui se passe, Mélanie? On a perdu concentré. Demain, 21h. Une présentation des vitamines Adrien Gagnon. Ce samedi, ils sont tous de retour. Y compris son pire ennemi. Les meutins contre les Baker. Oui. Moins cher la douzaine 2, ce samedi 18h30. Ce dimanche. Pour la première fois de toute l'histoire du banquier, l'émission commence, mais personne ne sait, même pas moi, qui va jouer. Le banquier spécial Maxi, dimanche 19h30. Une présentation de Maxi. Le TDA en bref, une présentation de Boutique Pierre. Bon après-midi. Il y a une ferme porcine du Rang Saint-Jean à Saint-Maurice qui a complètement été détruite par un incendie. Ça s'est passé hier soir. On parle de dommages évalués à plus d'un million de dollars et on ne connaît pas encore l'origine de ce sinistre. Nous vous demandons aujourd'hui si les autres municipalités de la région devraient imiter l'exemple de Saint-Pierre-des-Bequets qui interdit l'exploitation des gaz de schiste chez elles. Vous répondez à chem.tva.ca. On m'a dit que Ridge était dans la maison. C'est vrai. Vous faites des photos pour... Je suppose que vous cherchez Junior, parce qu'il était ici avec Madison. Elle le promène dans tout l'immeuble pour montrer à tout le monde à quel point il a grandi. Je vois. Mais c'est sûrement difficile pour vous de venir ici. Non, pourquoi vous dites ça? Vous avez travaillé si longtemps ici, chez Forrester. C'est une absence tout à fait temporaire. Eh bien, je vais prévenir Madison et lui dire de vous retrouver ici. Oh, n'empêchez pas Junior de s'amuser. Je vais attendre. Je dois voir Ridge de toute façon. Allô? Stéphanie, je suis chez Forrester et Brooke est ici. Pourquoi elle a quitté l'entreprise? Eh bien, non, elle vient de me dire que c'était temporaire. Elle fait tout pour que ça ait l'air temporaire. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Je trouve qu'elle réagit de plus en plus vite. Est-ce qu'elle est avec Ridge? Je voulais seulement vous tenir au courant de ce qui se passe. Je ne suis pas paranoïaque, ne vous inquiétez pas pour ça. Monsieur et Madame Marone. Ah, je vous rappelle. Ça n'est pas la peine de nous annoncer. Nous ne sommes pas mari et femme. C'est Bridget qui est Madame Marone. C'est vrai. Oui. Alors gardez ce protocole pour l'extérieur, pour les personnes que vous ne connaissez pas si bien. Oui, tant mieux, parce que je préfère les ambiances familiales, de toute façon. Parfait. Aujourd'hui, nous avons des entretiens pour un poste très important à la communication. Oui. Alors tenez-vous-en à des conversations légères. D'accord. Parlez du temps, de baseball. Baseball? Nous ne voulons pas passer pour des gens ennuyeux et vieux jeux non plus, d'accord? D'accord. Je suis sûre que nous allons trouver la personne idéale. Et nous allons certainement trouver cette personne aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, je vais retourner à mon bureau. Nick, Jackie.
suis vraiment dégoûtée. Il n'y a pas de quoi, tu as assuré. Pour ta première fois. Certaines personnes sont photogéniques et pas d'autres. Tu ne dois pas laisser tomber tout de suite, parce que tout le monde l'a déjà fait. Sorn, Felicia, Brooke. Brooke ne travaille peut-être plus ici, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est partie. Oui, c'est une jolie fille. Elle est inexpérimentée et elle appréhende de le faire. Mais ça se voit, c'est évident. Giovanni, je suis désolé, je vais te voir. Je vais vous rappeler. Mais d'accord. Salut. Salut. Tu cherches Junior ? Il est en train de boire un verre de lait en bas avec Madison et tout un bataillon de couturières. Il s'amuse bien. Oui. Il doit ressentir la même chose que moi. Que c'est plus son foyer que la maison. Parce que tu es là. La congestion nasale, comment vous affecte-t-elle la nuit? Je n'arrive pas à dormir, j'ai le nez bouché, je ne peux pas respirer, je ne peux pas bien dormir. Vous avez tous fait l'essai des bandelettes nasales Breathe Right. Comment vous ont-elles aidé? C'est surprenant la première fois. C'est vrai? Ah, c'est instantané. Dès que je les applique, mes voies nasales s'ouvrent, puis je peux enfin respirer. Quand je dors mieux, je me sens beaucoup mieux le lendemain. Breathe Right, c'est la solution sans médicaments. Oui, tout à fait. C'est magique. Pour obtenir un échantillon gratuit de Breathe Right, visitez le 606pn.com. Les deux premiers week-ends d'octobre prochain, c'est le retour de la balade gourmande des Bois-Francs. Plus de 100 exposants agroalimentaires et artisans ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de vous séduire. Venez goûter à la création ainsi que découvrir la région des Bois-Francs dans un décor haut en couleur et bordé des Appalaches. Plus de 29 sites gourmands vous y attendent. La balade gourmande des Bois-Francs, faites-vous plaisir et goûtez-y. Ce jeudi, José Godin, Jean-Michel Anti, Marina Orsini, Mario Tessier, Jean-Luc Mongrain et Pauline Martin. Soyez fidèles au poste, jeudi 20h à TVA. Une présentation des courtiers Raymond et de Génacol. D'ici lundi, nous sommes prêts à payer jusqu'à 5 fois la taxe fédérale et même acheter vos vieux appareils. Mettez la main sur n'importe quel électroménager identifié. Ce qu'aucun autre peut faire, les spécialistes le font pour vous. D'ici lundi. L'Action communautaire sauve des vies. L'Action communautaire en santé et services sociaux au centre du Québec et en Mauricie, c'est 246 organismes communautaires, 1850 employés, 15 000 bénévoles, 40 000 membres. C'est aussi 3 millions d'heures vouées à l'amélioration de la qualité de vie des gens d'ici. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, s'il n'y avait pas cette organisation-là, c'est clair que je ne serais plus là. Cette organisation-là m'a sauvé la vie. Une recherche et un film sont disponibles sur le www.trocqcqm.org. L'Action communautaire sauve des vies. D'ici lundi, nous sommes prêts à payer jusqu'à 5 fois la taxe fédérale et même acheter vos vieux appareils. Mettez la main sur n'importe quel électroménager identifié. Ce qu'aucun autre peut faire, les spécialistes le font pour vous. D'ici lundi. Eh bien, c'est un gâteau fourré au citron en forme de carré. Pour ce poste à la communication, pourquoi ne pas prendre quelqu'un de la maison? La publicité. Est-ce que quelqu'un ici connaît ce domaine? J'aurais peut-être pu faire ça. Vous pensez qu'ils vont m'envoyer? Oh, voyons, Clark, ce serait vraiment de la folie et je ne le permettrais pas. Vous n'êtes que la réceptionniste. Ah? La secrétaire de direction. Ce qui veut dire que je détiens le pouvoir suprême. C'est dans les attributions de votre poste? Eh bien, personne ne peut entrer sans que je le décide, et personne ne peut s'en aller sans me demander mon avis. Il y a eu du changement chez Forrester durant mon séjour chez eux. Tout le monde est parti et ils sont au bord de la faillite. C'est une coïncidence? Donc, quand vous étiez chez Fenmore... Lorraine est tout à fait adorable, et elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. C'est le moins que l'on puisse dire.
J'aime avoir une entière responsabilité, engager mes propres assistants pour mes recherches personnelles. Vos recherches? Des groupes de réflexion, des enquêteurs au téléphone et sur Internet. On ne peut vendre aux gens ce qu'ils veulent qu'en sachant ce que c'est. Eh bien, Larissa, sauf si vous avez d'autres questions à nous poser, je vous remercie d'être passée. Et moi, je vous remercie de m'avoir reçue. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord, merci. Elle est trop jeune. Oh, elle a l'air très compétente. Je ne veux pas de compétences. Je veux seulement créer une grande émulation. Tac, tac. Et qui est là? Un monsieur Whip Jones. Très excitant. J'ai l'impression de le connaître. Ce nom m'est familier aussi. Il travaillait pour Forrester. Ensuite, il est allé à Paris pour Forrester International. C'est ça. Bonjour. Il n'était pas marié avec Brooke? Oh, je crois que oui. Il ne s'agissait pas d'une sombre histoire de chantage. Non, aucune importance. Attendez, c'est une porte figée. Il était marié ou pas avec Brooke? Oh, mais enfin, voyons les choses en face. Y a-t-il un homme de plus de 30 ans en ville qui ne l'a pas été? Et c'est une coïncidence qu'il soit là aujourd'hui. Oui, absolument, c'en est une. Est-ce un test psychologique en rapport avec l'entretien? Parce que je crois m'en être tiré plutôt bien, mais je n'en dirai pas autant pour vous. Nous sommes terriblement désolés. En fait, nous n'étions pas prêts. Mais entrez, je vous en prie. Merci. Stéphanie, bonjour. Vous êtes rayonnante. Je tiens à vous le dire. Oui, j'espère que ça se voit. Oui. C'est Stéphanie qui a organisé cet entretien, c'est bien ça? J'espère que non. Ça voudrait dire que c'est un plan machiavélique. Non, je cherche seulement du travail. Pourquoi ici, Whip? Il semble que vous ayez un CV bien rempli. Ah, en fait, je ne suis jamais resté très longtemps au même endroit après avoir quitté Forrester International. J'ai trouvé que votre dernière campagne était très brillante. Oh, oui, mais je me suis ennuyé. Les gens de la com veulent toujours faire les mêmes choses année après année. Mais dès que j'ai vu la couverture de ce magazine, j'ai su que vous étiez différent. Quelle couverture? Vous et le garçon aux abdos, assez jeune pour être votre fils. Ou le fils de votre fils. Vous voulez parler de mon mari? C'était le plus gros coup publicitaire de l'histoire de la mode avec l'histoire de Twiggy. Oui, mais mon mariage n'était pas un coup publicitaire. Oh. Alors, où est-il? À la salle de gym? Vous devriez montrer votre pressbook. Oui, je suis venu pour ça. Alors, oui. Combien de temps comptez-vous rester à Los Angeles? Eh bien, tout dépendra des raisons que j'aurai de rester. Brooke est sûrement partie à l'heure qu'il est. Avec Junior? C'est possible, oui. Elle ne travaille plus ici maintenant. Est-ce que tu lui as parlé? Brièvement. Vous vous êtes disputé? Non. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je ne voulais pas que vous pensiez ce que vous êtes en train de penser. Brooke ne représente plus un problème pour notre famille. Tu as raison. Bien sûr que tu as raison. Je vais chercher papa. Non, n'y va pas. Pourquoi? Parce que Brooke est ici avec Ridge. Quoi? Tu es occupée? Question idiote. Qu'y aurait-il de plus important que toi? Écoute, je sais pas comment nous en sommes arrivés là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que les événements nous ont conduits à cette extrémité. Mais comment ça a pu finir comme ça? Nous étions tellement sûrs de l'engagement de chacun. Nous étions tellement amoureux. C'est toi qui l'as voulu, pourtant. Non. Mais si, voyons. C'est toi qui m'as dit que c'était fini. Tu as mis la main de Taylor dans la mienne. C'est vrai. Mais ça, c'est pas une chose très sensée de la part d'une femme qui voue un véritable culte à son mari. Je souffrais. J'étais sous le choc. Et j'ai eu tort. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par la financière Sun Life. La vie est plus radieuse sous le soleil. Oh, en
en couleur originale. Quoi? C'est Outlast Lip Stain de CoverGirl. Un feutre à lèvres léger comme l'air qui va au-delà de rouge à lèvres. Il n'est jamais collant, c'est un feutre. Il va rester sur vos lèvres parce que c'est Outlast Lip Stain. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Métamucil, c'est que vous posez chaque jour toutes sortes de gestes pour aider à faire baisser votre taux de cholestérol. En voici un plus. Il suffit de prendre Métamucil chaque jour. Cette fibre de psyllium aide à réduire le taux de mauvais cholestérol. Elle vient de la terre, sale, sauvage, presque laide. Mais à l'intérieur, on retrouve toute la douceur naturelle née de l'étreinte passionnée de la terre, du doux baiser de la pluie et de la tendre caresse des mains d'un cultivateur qui... Oh, mon Roméo, là. Patate douce, une patate. Les Super Fries de McCain, maintenant faites de patates douces. McCain, que du bon. Situé dans la région de Trois-Rivières, le coin Saint-Paul est le nouveau complexe résidentiel pour personnes retraitées. Endroit accueillant et sécurisant, le coin Saint-Paul, c'est l'équilibre entre le dynamisme des activités récréatives et la liberté financière. À partir de $895 par mois, incluant un repas, le coin Saint-Paul vous offre une facilité d'accès à tous les services, une vie sociale divertissante, sans compter les services d'un personnel compétent et dévoué. Le projet avance, il est temps de s'en parler. Réservez dès maintenant 819-375-2626. Mon style, mon confort, ma boutique. Caron Chaussures. Osez la sensation au Centre des Arts de Shawinigan. Voyez les grands noms de la chanson. Paul Piché le 23 octobre, Marco Cagliari le 19 novembre et Nicolas Ciccone le 29 janvier. Billets en vente dès maintenant. Bonjour, ici Patricia Paquin. Ce mois-ci, dans votre Moi et compagnie, découvrez comment mieux manger pour vivre en santé avec Isabelle Huot. En plus, Moi et compagnie célèbre son 4e anniversaire. Pour l'occasion, on vous prépare tout un party de filles et un nouveau site internet moi-et-compagnie.ca, en ligne dès le 25 octobre. En beauté, on vous présente 5 nouvelles techniques anti-âge, plus un test de crème anti-rides. En mode, on a repéré pour vous les plus beaux manteaux d'hiver. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. C'est l'avance fin de saison chez Trois-Rivières Honda jusqu'à 6 000 $ de rabais sur les 2010 et la Civic est à partir de $13 985, transport et préparation inclus. Trois-Rivières Honda, parce qu'on est fort et fiers. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières. C'est le temps d'économiser à vos quincailleries et centres de rénovation Unimax. Ensemble de cadrage de porte à MDF, $11.99. Un rabais de 35%. Chaud granulaire, sac de 20 kg, $5.99. Pour d'autres économies, visitez votre marchand Unimax. Je sais que vous en voulez une part. Vous avez mis de l'arsenic dedans? On ne peut pas faire de pâtisserie à l'arsenic. Vous avez essayé? Monsieur Jones adore mes carrés, je trouve. Appelez-moi Whip. C'est le diminutif de quoi? Manger, je vous le dirai. Vous pensez être mieux payé que moi? Je vous dirai ça aussi. C'est comme règlement de compte à Hockey Corral. Oh, nous en avons pour un court instant. N'en mangez pas trop. Qu'est-ce que veut dire par là? Oh. Je ne vois pas pourquoi nous devrions prendre une décision aujourd'hui. Il faut absolument prendre une décision aujourd'hui. Si nous le laissons franchir la porte, nous allons le perdre. Il ira tout droit chez Forrester. Et croyez-moi, sur le plan publicitaire... Les Sir Logan sont totalement dépassés. Il suffira d'un coup d'œil sur son CV pour qu'Eric l'embauche. Je déteste quand elle a raison. Et là, elle a raison. Bien sûr que j'ai raison. D'accord. Ce sera lui. Whipple. Mm-hmm. Oh, c'est un nom horrible. Vous comprenez pourquoi je ne l'utilise pas. Vos parents mériteraient une bonne fessée. C'est pas mauvais. Et je ne me sens pas malade. Quant au fait de gagner plus que vous, Garrison, comment pouvez-vous croire ça? Vous êtes dévoué à cette entreprise pendant combien d'années? Vous voulez que je fasse le compte? Oui. Mm-hmm. Et vous voulez revenir, s'il vous plaît? Oui. Merci. Vous avez gagné. Oui, je sais. Je crois que d'abord, nous devrions vous demander si vous avez des questions à nous poser. Je veux être payé 50% plus cher que Garrison. Je vais y réfléchir. Autre chose?
Eh bien, j'ai mangé, inutile de déjeuner, alors je n'aurai qu'une question. Où est mon bureau? Qu'est-ce que Brooke veut à papa? Est-ce qu'elle te l'a dit? Ils étaient mariés, ils ont un enfant. Alors ça leur donne de nombreuses raisons d'avoir une conversation. Maman, c'est ce que Brooke fait toujours, et tu le sais, elle essaie de le récupérer encore et encore et encore. Non, ça ne risque pas d'arriver cette fois-ci. Je ne suis pas ici pour pleurer, je ne suis pas venue te supplier, mais j'ai une information à te donner, une nouvelle information que tu dois connaître. Alors, je veux l'entendre. À la maison, un soir, j'ai mis Hope et Junior au lit et je suis allée m'asseoir avec plein de photos autour de moi et tous nos souvenirs. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une urgence. Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, nous ne pourrons plus faire marche arrière. Mais qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Essaie d'imaginer que l'accident de Phoebe n'ait jamais eu lieu et qu'elle est toujours parmi nous. J'imagine ce scénario dans presque tous les rêves que je peux faire. Et imagine que c'était Phoebe qui conduisait la voiture et qu'un enfant ait traversé la rue. Qu'il y ait toujours eu un accident, mais que Phoebe ait réussi à s'en tirer et que l'enfant soit mort. Est-ce que tu l'aimerais moins? C'est une drôle de question, Logan. Je sais, mais si c'était sa faute selon le droit et que des personnes en viennent à la traiter d'assassin? Je devrais l'aimer encore plus parce qu'elle aurait besoin de moi encore plus. Mon fils Rick avait besoin de moi encore plus. Est-ce que tu comprends ça? Je voulais qu'il soit là, je voulais que nous vivions sous le même toit parce que je voulais pouvoir le surveiller. C'était différent quand il était en Europe. Ça n'avait pas d'importance quand il allait et venait. Je pouvais l'appeler, aller le voir, tout allait bien. Il avait sa propre vie. Tu disais que tu avais une information à me communiquer. Oui. J'ai consacré du temps à réfléchir à tout ça ces derniers jours et... Rick était menacé. J'ai senti que je devais le protéger. Mais je n'ai plus à le faire. C'est fini maintenant. J'ai passé la plupart de mon temps à m'occuper de lui, à lui venir en aide, à lui apprendre à résoudre les problèmes qu'il pouvait rencontrer. Je ne veux plus vivre ça. Ma vie est avec toi. J'ai fait une bêtise. Tu as fait une bêtise. Nous avons fait des bêtises. Mais il n'est pas trop tard. Allô? Tout va bien? Vous avez le temps de discuter? Oui, bien sûr. Vous êtes toujours chez Forrester? Oui, en fait, j'attends Thomas pour savoir si je dois le ramener. Est-ce que Brooke est encore là? Comment le saurais-je? Ça vaudrait mieux. Est-ce qu'elle est avec Rich? Oui, je crois. Je crois, probablement. Tu as dit que tu voulais voir Whip avant qu'il s'en aille. Oui. Stéphanie, vous avez l'air occupée, alors je... Merci de m'avoir écouté. Je sais que je peux compter sur vous. Et ne l'oubliez pas. D'accord? J'étais sûr que vous me demanderiez autre chose. Fermez la porte. Pourrions-nous avoir une conversation au sujet de votre ex-femme? Sur la possible création d'un nouveau parti fait réagir. Pour les libéraux, c'est un désaveu du leadership de Pauline Marois, qui, elle, n'y voit pas de menace, puisqu'il met de côté l'option souverainiste. Un hélicoptère se serait abîmé dans le Saint-Laurent en Gaspésie avec deux personnes à bord. Les recherches sont compliquées par le brouillard. Et l'ancien commandant de la base de Clinton, le colonel Russell Williams, va plaider coupable à toutes les accusations de meurtre, agression sexuelle et entrée par infraction portée contre lui, au total 82 accusations. Talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Une présentation des déjeuners de Burger King.
Beau en couleur, original. Quoi? C'est Outlast Lip Stain de CoverGirl. Un feutre à lèvres léger comme l'air qui va au-delà d'un rouge à lèvres. Il n'est jamais collant, c'est un feutre. Il va rester sur vos lèvres parce que c'est Outlast Lip Stain. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Le film numéro 1 au Canada est le réseau social. Bienvenue chez Facebook. Follement divertissant. Oups. Très amusant. Accueillez Facebook. On a des fans. Le monde nous appartient. Le réseau social, présentement à l'affiche. Mathieu, c'est un libre-penseur. Un gars pas mal autonome. En tout cas, un travailleur autonome au moins. Mathieu fait ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut, quand il veut, comme il veut. En fait, il a juste pu pour commander une pizza végétarienne, pas d'olive, extra pepperoni. Donc, c'est probablement pas un hasard si Mathieu aime jouer à Banco. Il peut choisir le type de mise qu'il veut, pour le montant qu'il veut, et même changer d'idée tous les jours s'il veut. Banco, la loterie sur mesure. Métamucil sait que vous posez chaque jour toutes sortes de gestes pour aider à faire baisser votre taux de cholestérol. En voici un plus. Il suffit de prendre Métamucil chaque jour. Ses fibres de psyllium aident à réduire le taux de mauvais cholestérol. Vous cherchez? Le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie vous aide à trouver. On dit que normalement, en humour, ça prend 2 ans pour écrire un show. Toi, t'en as pris 6. Oui. Tu es là. Ça finit bien la semaine. C'est pas vite, hein? C'est pas super intelligent. Demain, 21h. Tu peux le dire et ils verront pas ça. Une présentation des vitamines Adrien Gagnon. D'ici lundi, nous sommes prêts à payer jusqu'à 5 fois la taxe fédérale et même acheter vos vieux appareils. Mettez la main sur n'importe quel électroménager identifié. Ce qu'aucun autre peut faire, les spécialistes le font pour vous. D'ici lundi. Comment expliquer ça? J'ai jamais pris un virage comme ça. L'agilité, l'élégance. J'ai jamais roulé comme ça. Je peux faire ce que je veux. Ça s'explique pas. Ça se conduit. La classe CDI 11 à partir de 38 095 $. Visitez Mercedes-Benz 3 Rivières pour tous les détails. D'ici lundi, nous sommes prêts à payer jusqu'à 5 fois la taxe fédérale et même acheter vos vieux appareils. Mettez la main sur n'importe quel électroménager identifié. Ce qu'aucun autre peut faire, les spécialistes le font pour vous. D'ici lundi. Asseyez-vous. Avant de commencer, je voudrais que nous soyons bien clairs. Je ne vous dois strictement rien parce que vous n'avez rien fait pour moi. Quoi qu'il se soit passé, si vous me griffez le dos, je grifferai le vôtre. J'apprécierais que vous ne touchiez pas à mon dos, sérieusement. Cela vous intéresse-t-il de savoir ce que Brooke devient? Alors, voyons. Elle s'était remise avec Ridge, mais elle l'a encore perdu. Toujours aussi vive dans vos analyses. Elle vous a laissé tomber pour quelqu'un qui ne voulait pas vraiment d'elle. Eh bien, Ridge n'a jamais appris à vouloir, seulement à avoir. Eh bien, je crois que maintenant, il a ce qu'il veut. Une famille avec Taylor. Oh, je vois. Et que devient Brooke? Elle a besoin de trouver quelqu'un sur qui jeter son dévolu. Mm-hmm. D'accord. Comme je viens de vous le dire, je ne vous dois strictement rien. Je voulais vous avoir ici. Vous serez très efficace pour cette entreprise. Et peut-être pour d'autres petites choses. Bon. J'ai toujours dit que je convenais bien à Brooke. Vous lui convenez parfaitement, j'en suis persuadée. Alors, je te vois tout à l'heure pour dîner. Je n'en suis pas sûr. Marcus voudrait réfléchir à la stratégie marketing. D'accord. Alors, nous nous retrouverons à la maison un peu plus tard. D'accord. Non, non. Il m'aime. Et tout va très bien se passer. Nous pouvons arranger ça, j'en suis sûre. J'ai cru que tu finirais par tout arrêter. Tous les jours, j'ai espéré t'entendre prononcer ces mots.
Et maintenant que je repense à tout ça, je réalise que tu ne l'as jamais fait. Oui, ce que tu as fait avec Taylor était vraiment une erreur. Mais ça n'était pas ta faute, c'était les médicaments. C'était à cause de ton chagrin pour Phoebe. C'est moi qui ai mis fin à notre relation. J'ai pris la main de Taylor et je l'ai mise ensuite sur les tiennes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais il me semblait que tout ce que nous vivions nous faisait beaucoup souffrir et je voulais arrêter ça. J'ai cru que c'était sans espoir et j'ai vraiment pensé que notre relation devait s'arrêter. Mais je me rends compte que rien n'est insurmontable. Non, rien. Je t'aime toujours. Et tu me manques. Ça fait comme tu me manques. Je voudrais t'en revivre avec toi. Je voudrais te prouver l'amour que j'ai pour toi. Reviens vers moi, Rich, je t'en prie. Reviens. Peut-être de la concurrence pour soi. Ah, bon, amène-le-moi. Attends, je veux passer la première. Whip Jones. Et son deuxième prénom, c'est le bourreau des cœurs. Tu es toujours aussi drôle. Non, en fait, c'est notre nouveau directeur de la communication. J'ai l'impression que Stéphanie nous a un peu forcé la main. Est-ce que c'est un de ses parents? Non. Mais elle le connaît bien. Et quand j'ai dit, pourquoi ne pas réfléchir avant de décider, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a employé des méthodes de vendeur de voitures d'occasion. Non, si on ne l'engage pas tout de suite, quelqu'un d'autre va nous le prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je me pose la même question. J'ai entendu des tas d'histoires, mais j'étais loin d'imaginer vous voir dans les anciens bureaux de Sally Spectra. Oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Sally, elle naviguait autour des îles Canaries avec une bande d'escort boys. Sacrée bonne femme. On peut le dire. Et on peut dire la même chose de vous. Merci de m'avoir aidé à décrocher ce travail. C'est plutôt difficile en ce moment. Oui. Il y a de quoi désespérer. Avec votre talent, vous n'aurez jamais à désespérer longtemps. Tant que je fais mon travail. Absolument. Si vous faites ce qu'on vous demande. Logan, tu ne peux pas me faire ça. Je suis avec Taylor maintenant. Taylor et mes enfants. Oui, je me rends compte de ça, mais ne serait-ce que pour un instant, je voudrais que tu oublies Taylor. Tu voudrais que j'oublie Taylor? Oui, et que tu m'écoutes. Toi et moi avons connu des moments graves avec la mort de Phoebe ou à cause de Rick ou Taylor. Nous avons affronté tellement d'épreuves, plus que ce que bien des couples mariés ont dû endurer. Et nous aurions pu en triompher si nous n'avions pas commis tant d'erreurs. Mais où est-ce que tu vas? Toi et moi avons toujours dit que nous pouvions tout affronter et triompher de n'importe quelle épreuve. Nous étions persuadés de ça et nous en étions émerveillés. Nous avions des doutes sur les autres choses de la vie, mais jamais sur notre amour. Bon, écoute, je suis passé à autre chose. Il fallait que je le fasse. Non, non, tu te trompes. Tu penses peut-être que c'est fait. Mais tu ne pourras jamais vivre avec Taylor ou n'importe qui d'autre sans exprimer tes vrais sentiments. Ce que tu ressens pour nous, pour notre mariage, pour notre relation. Logan, écoute-moi. Thomas et Stéphie ont beaucoup souffert depuis le moment où nous avons perdu Phoebe. Taylor a elle aussi vécu un véritable enfer. J'ai fait une promesse à cette famille, figure-toi. Une promesse sur laquelle je ne reviendrai pas. Une promesse? Que leur as-tu dit? Oh non, ne me dis pas que tu vas épouser Taylor encore une fois. Quelques instants, des images du P.
plus gros appareils exposés à Montréal, le A380, et les dépenses à Montréal. Après avoir annoncé hier la création de près de 500 emplois de col bleu, on doit couper 250 millions. Détail à 17h, à plus tard. Bonjour, je m'appelle Yvon Deschamps, comédien, humoriste, chanteur et aîné. La première fois que j'ai entendu le mot maltraitance, je me suis dit que c'est ça la maltraitance. Je savais même pas que ce mot-là existait. Non mais, sérieusement, la maltraitance envers les aînés, c'est pas drôle du tout. Puis c'est pas parce que la majorité des gens comme moi savent pas que ça existe que ça fait moins mal. C'est bien plate à dire, mais il y a beaucoup d'aînés qui souffrent de maltraitance au Québec. Puis ça se passe partout, là, autour de nous, chez nous. Là. C'est une réalité. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Et souvent, les abus viennent d'une personne en qui l'aîné a totalement confiance. Puis ça prend toutes sortes de formes, hein. Physique, psychologique, financière. Puis en plus, quand on parle de maltraitance, pas nécessairement des coups de poing, là. Par exemple, quelqu'un qui élève le ton régulièrement envers un aîné, c'est de la maltraitance. Quelqu'un qui prend une partie de son chèque de pension sans que ce soit clair, ça aussi c'est de la maltraitance. Ou bien négliger quelqu'un, ou manipuler, ou dénigrer, isoler, faire peur. Ben moi, ce qui me ferait vraiment peur, et qu'on ferme les yeux là-dessus, puis qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Bonjour, ici Patricia Paquin. Ce mois-ci, dans votre Moi et compagnie, découvrez comment mieux manger pour vivre en santé avec Isabelle Huot. En plus, Moi et compagnie célèbre son 4e anniversaire. Pour l'occasion, on vous prépare tout un party de filles et un nouveau site internet moi-et-compagnie.ca, en ligne dès le 25 octobre. En beauté, on vous présente 5 nouvelles techniques anti-âge, plus un test de crème anti-rides. En mode, on a repéré pour vous les plus beaux manteaux d'hiver. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. C'est l'avance fin de saison chez Trois-Rivières Honda jusqu'à 6 000 $ de rabais sur les 2010 et la Civic est à partir de 13 985 $, transport et préparation inclus. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières. Osez la sensation au Centre des Arts de Shawinigan. Voyez le premier one-man show de l'humoriste Philippe Bande le 13 novembre et le 26 novembre le maître de l'hypnose Mesmer. Billets en vente dès maintenant. Oh, Stéphanie veut vraiment prendre ce type dans l'équipe. Il a la tête de celui qui vient de marquer un but. Et ouais. Il a eu le poste. Oui, elle a éliminé tous ses adversaires de toute façon. Il faut savoir se démarquer de ses adversaires. Toi, tu ne leur as laissé aucune chance. Et je ne vais pas tarder à marquer. Il est vraiment très séduisant. Et dire qu'il a été marié avec Brooke. Attends un peu, ce gars-là a été marié avec Brooke Logan ? Eh oui, en effet. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que Stéphanie manigance sûrement quelque chose. Chérie, Stéphanie ne cessera jamais ses manigances. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce que M. Whit Jones vient faire là-dedans. Tu penses que j'ai fait une erreur en la laissant me convaincre de l'engager ? Tu n'as pas vraiment l'habitude de faire des erreurs. Enfin, j'en ai fait quelques-unes. Maintenant, nous avons Whit. Et nous avons la sœur de Stéphanie. Est-ce qu'elle t'a persuadée de l'engager, elle aussi ? Oh. Oui, 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 c'est vrai. Elle a réussi à me convaincre d'engager Pamela. Et Monsieur Whit Jones. Mais peut-être qu'ils sont parfaitement qualifiés. Elle a travaillé avec les deux, n'est-ce pas ? C'est ce qu'elle voudrait leur faire croire. Mais tu sais, Ridge s'est remis avec Taylor. Et Whit a été marié quelque temps avec Brooke. En le voyant, Stéphanie avait l'air d'assister au retour du fils prodigue. Je suis certaine qu'elle a un plan. Et je voudrais bien savoir ce que c'est.
Brooke est une femme très compliquée. Et bien que son mariage avec Ridge soit terminé... Qu'est-ce qui s'est passé? Le mariage a été invalidé. Et c'est pour ça qu'ils ont rompu? Non. D'accord, peut-être que vous devriez me raconter toute l'histoire, que je comprenne en quoi ça me concerne. Ridge est revenu avec Taylor et je veux leur apporter tout mon soutien. Et c'est là que j'interviens. Mais il reste une question. Est-ce que moi ou qui que ce soit peut s'interposer entre Ridge et Brooke? Un mariage avec Taylor, ça, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ce que Taylor voudrait, sans parler de Thomas et Steffi. C'est trop tôt pour le dire, je viens d'emménager. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Pour l'amour du ciel, là-bas. J'avais l'intention de passer le reste de ma vie avec toi. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ça arrive, mais tu as été parfaitement clair. Il a fallu que je m'en aille, c'était fini, je devais rejoindre Taylor. Et tu étais d'accord? Compte tenu de l'état de notre relation de couple et de nos problèmes insurmontables, oui, j'étais d'accord. Et maintenant, tu as changé d'avis? J'ai fait une énorme erreur. J'ai essayé de te dire ça à ce moment-là et tu as eu une réaction exagérée à cause d'une soirée dont je me souviens à peine. Et Taylor a profité de la situation? Non, elle ne ferait jamais une chose pareille. J'ai décidé seul de prendre ses médicaments. Ça n'a rien à voir avec Taylor. Pourquoi reparler de ça maintenant? Parce que je souffre atrocement, que je suis bouleversée et que je vois les choses différemment. Quand tu m'as dit que tu avais couché avec elle, c'était comme un coup de poignard en plein cœur. Mais j'ai tout tenté pour te dissuader de faire ça. Je t'ai imploré de réfléchir. Je t'ai même supplié. Mais tu n'as rien voulu entendre. C'était terminé. Moi, j'étais persuadée que tu le pensais. C'est vrai, je le pensais. À cet instant-là, je le pensais. Je me suis laissée emporter trop facilement parce qu'il n'y avait pas que Taylor et ce qu'elle avait fait. Il y avait Rick. J'étais vraiment désespérée. Et alors, tout est différent? Mais enfin, c'est toi qui m'as dit que je devais vivre ma vie. Alors tu dois vivre la tienne et ne pas vivre pour ton fils ou pour qui que ce soit. Oui, tu as raison. Je crois que j'ai peut-être un peu trop soutenu mon fils. Et Steffi est une fille intelligente. Elle saura quoi faire de cette relation. En même temps, j'ai toujours l'impression que je t'ai jetée dans les bras de Taylor parce que j'avais peur d'une chose qui aujourd'hui n'est même plus une menace. Mais il était trop tard, non? Maintenant, tu es avec Taylor. Uniquement à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Les nombreuses réactions au mouvement politique de centre-droit qui a à sa tête les ex-ministres François Legault et Joseph Facal. Et on surveille aussi l'Airbus A380 dans le ciel de Montréal. Tous les détails au TVA Nouvelle. On a apporté fromage de Warwick. Moi, j'ai des biscuits à Augustin. Puis, j'ai un pâté au poulet de Chicoutimi. Vous autres, t'en as-tu pas de Montréal? Moi, j'ai amené deux asperges de Brossard. Manger québécois? Il y a des milliers de produits du programme Achat Québec à prix imbattable chez Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Le nettoyant désinfectant pour salle de bain, Monsieur Neff, avec fraîcheur Febreze. Il enlève deux fois plus de résidus de savon par essuyage que moi et il tue les bactéries. Et dégage cette agréable fraîcheur Febreze. Ah ouais? Déloger les résidus de savon et tuer les bactéries avec le nettoyant désinfectant pour salle de bain, Monsieur Neff. Donc, comment vous entendez-vous? Il y a des tensions? Vous avez 10 ans de nuit blanche devant vous. Et quand vous achetez du Motrin, vérifiez qu'il n'y ait aucun colorant. Chose très importante, avoir toujours assez de papier essuie-tout. Oh, on se croirait dans Slumdog Millionnaire. La vie, tout simplement. À l'affiche, le 8 octobre. Répondre au téléphone à l'heure du souper les soirs de semaine, pas très futé. Avenue Broadway, Shawinigan, là où tout est différent. Félicitations aux lauréats régionaux de cette 17e édition.
Établi à Québec, Algosys est reconnu pour la conception et le développement d'outils informatiques favorisant l'optimisation des rendements de production dans l'industrie des procédés. Elle a conçu et commercialisé deux logiciels destinés principalement au secteur des mines et de l'affinage pour ses clients répartis dans plus d'une vingtaine de pays. Voyez les lauréats provinciaux des prix PME Banque Nationale dès le 20. Ce jeudi, on y va à Fontaine. Et hop, casquette! Avec les directs. Tout peut arriver. C'est toujours le fun, c'est chaud, hein? Oui, hein? Non, jamais simple. On va être high-tech, je ne sais pas si vous allez suivre. Allez hop, allez hop! Alors, ça me fait plaisir de vous présenter mes bijoux de famille. Et... On en va encore? Oui, on a plus de temps. Soyez fidèles au poste, jeudi 20h. Ça va être écœurant. Une présentation des courtiers Réma et de Génacol. Ce samedi, ils sont tous de retour, y compris son pire ennemi. Les meutins contre les Baker. Oui. Moins cher la douzaine, ce samedi 18h30. C'est un spécial, très très spécial. Ce dimanche. J'ai hâte de savoir avec qui je vais jouer. Quand je dis go, on ouvre les valises. Le banquier spécial Maxi, dimanche 19h30. Une présentation de Maxi. Trois candidats s'envolent pour Hawaï. Je t'annonce que tu vas partir avec deux filles. Crois-tu que certaines filles ont dépassé les limites? Oui. Oh. Occupation double. Ce dimanche, tout de suite après le banquier. Une présentation de Mazda et d'Ameublement Tanguay. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, papa, dis-moi que tu ne reviens pas avec Brooke. Ma chérie, c'est seulement un moment pénible pour elle. Elle traverse une période difficile. Logan, si ça ne t'ennuie pas, est-ce que je pourrais parler seul avec ma fille? Rick est la vraie raison pour laquelle Brooke et Ridge ont rompu. C'est un personnage très destructeur. Mais le principal, c'est que c'est terminé. Sauf que cette fois, si ça s'est terminé d'une façon différente, c'est parce qu'il y a des problèmes. Qui les rendent presque irréconciliables. Eh bien, il y a peut-être une ouverture. Comment est le couple Ridge était là? Solide. Solide. Et je crois que mon fils a tiré la leçon de cette situation avec Brooke. Et quelle est-elle? Qu'il avait une sincère et profonde estime pour Taylor. Oui, mais est-ce qu'il est amoureux d'elle? Oh, je pense que oui. Comme je crois que vous êtes toujours amoureux de Brooke. Désignez-moi un homme qui a côtoyé Brooke et qui n'est pas tombé sous son charme. Ça n'a jamais cessé de m'étonner. Eh bien, ce sera votre motivation. En tout cas, merci de m'avoir aidé à décrocher ce poste. Je sais que je ne serai pas déçu. Stéphanie, et vous envoyez Whip à la conquête de Brooke, n'est-ce pas?
Je n'ai pas à te dire comment vivre ta vie. Je n'ai jamais voulu faire ça. Mais tu sais, j'essaie de toutes mes forces de ne pas intervenir dans ta vie. Chérie, je sais tout ça. Je sais à quel point tu aimes que je sois à la maison. J'aime ça aussi. Ça représente beaucoup pour moi de passer du temps avec toi et Thomas. Il n'y a pas que Thomas et moi. Il y a maman aussi. Quand je vous vois ensemble, je pense, waouh, qu'ils sont vraiment proches. Et quand on est tous en famille, il n'y a plus de tension, ni d'intention cachée. Entre nous, tout est parfait. Ce qu'on vit est exceptionnel. Je sais que tu te préoccuperas toujours de Brooke. Et je sais qu'elle traverse des instants difficiles. Mais c'est arrivé à maman. Ça lui est arrivé très souvent. Je sais. Et elle a survécu. C'est ce que fera Brooke. Elle trouvera un autre homme et elle refera sa vie. Mais nous avons besoin de toi. La paranoïa donne des rides. Oh, la paranoïa. J'espère que ce n'est que ça. Mais lors de notre entretien avec Whip, j'ai ressenti une drôle d'impression. Quel genre d'impression ? Vous aviez l'air d'avoir tout organisé. Oh, voyons, il est exactement celui que nous cherchions. Non, c'est celui que vous cherchez. D'accord, que voulez-vous dire exactement ? J'ai compris où vous vouliez en venir. Vous ne soutenez pas seulement Whip Jones pour ses capacités de responsable de la communication. Oh, mais enfin, je ne savais pas qu'il devait faire cet entretien. Tout est dans son CV. Mais il y a quelque chose qui manque dans son CV, c'est que lui et Brooke ont été vraiment très proches. Qu'est-ce que ça a à voir avec son travail ? Oh, eh bien, ça dépend de quel travail vous voulez parler, ma chère. S'occuper de l'entreprise ou s'occuper de Brooke ? Whip ? Bonsoir, Brooke. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis revenu depuis peu et j'ai eu envie de passer. Oh ! Eh bien, en fait, maintenant, c'est... Ça tombe mal. Oh, tu as des invités ? Oh, non, ce n'est pas ça, c'est que... Bon. Non, ça va aller, allez, viens, tu peux entrer. Ne reste pas là. J'ai appris pour Rick et toi. Je suis désolé. Je sais à quel point cette relation compte pour toi. Ou plutôt comptait pour moi. Comptait pour moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Ouais. Accepter, c'est difficile. Mais je n'en suis pas encore là. Ouais. Tu y arriveras. Je n'en suis pas si sûre. Après tout ce que tu as traversé, les hauts, les bas, voyons, tu vas t'en sortir. Oui, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps, non ? Tu trouves que j'ai changé ? Oui, j'ai changé. Toi, tu as changé ? Changé ? Qu'est-ce que tu veux changer chez moi ? Toujours aussi modeste qu'avant. Je ne sais pas, mais bien sûr que j'ai changé, comme tout le monde. Non. Ma belle-mère n'a pas changé. Stéphanie ne peut pas changer. Quoi ? Je voudrais te revoir, Brooke. Non, tu ne veux pas me revoir. Je ne suis pas de très bonne compagnie pour l'instant. Non. Je ne vais pas l'être avant longtemps. Bon, écoute, si tu n'es pas de bonne compagnie, tu dois être en bonne compagnie. Et je peux être de très bonne compagnie, oui, je t'assure. C'est vrai, je me souviens très bien de ça. Et oui, moi aussi. Comment ne pas aimer un homme qui met de la lingerie pour toi ? Ah oui, c'est vrai. Et qui m'a fait d'excellents massages de pieds, juste ici, oui, sur cette table.
La première fois que je t'ai vu, tu avais besoin d'aide, tu te souviens? Eh bien, peut-être que je peux encore t'aider. Non. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien ni personne qui puisse m'aider. Oh, écoute-moi. Peut-être que si. Si tu me laisses faire. Meurtre prémédité de deux femmes, plusieurs agressions sexuelles et de multiples introductions par effraction. Il n'y aura donc pas de procès. La fin du calvaire approche pour les 33 mineurs piégés sous terre depuis deux mois au Chili. Le puits de secours qu'on était à creuser n'est plus qu'à 90 mètres du but et devrait les atteindre samedi. Leur remontée à la surface pourra commencer entre 2 et 10 jours après. Je m'en vais en Europe, à Paris. Ça va jouer au Café de la Danse à Paris, à Toulouse. Toutes sortes de belles choses qui s'en viennent. Je veux parler de ta force durant cette entrevue. Ta force de caractère, également ta force d'amour. Tout ce qui te pousse à aller plus loin dans ta vie. C'est la chose qui nous frappe le plus en te regardant, Chloé, et en t'écoutant aussi. Je veux parler de ta carrière de santé, je veux parler de ta carrière d'amoureuse aussi, parce que c'est une carrière, je pense. Ah, oh, je pense. C'est très intéressant. 27 ans. 27 ans. Mais avant tout ça, j'aimerais ça qu'on regarde ces images ensemble. OK. Te voici. Êtes-vous prête, Chloé Sainte-Marie? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, maman, j'ai des vraies vues. Des vraies vues comme on en voit plus. Révélé par le cinéaste Gilles Carle au milieu des années 80 avec le film Cinéma, Cinéma, Chloé Sainte-Marie devient sa muse et démarre une carrière professionnelle au parcours inhabituel. Chloé Sainte-Marie, vous la connaissez, ça va être certain, et elle a un nouveau clip qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Ça va bien, Chloé? Ça va très bien. Et tu disais hors des ondes tantôt que ça avait l'air d'un gâteau de mariage à peu près pour présenter... Du glaçage. Du glaçage, exactement. J'espère que quelqu'un va me manger. En 2002, l'album « Je marche à toi » est encensé par la critique. Au cinéma, j'incarnais un personnage. Au théâtre, j'incarnais un personnage. La joie, le bonheur dans la chanson, c'est toi qui chantes. Au Gala de la Disque en 2003, l'Académie récompense Chloé en lui remettant le Félix dans la catégorie Album de l'année, Folk Contemporain. En 2005, le spectacle tiré de l'album Parle-moi connaît un énorme succès autant au Québec qu'en Europe. L'Académie récompensera Chloé Sainte-Marie au courant de la même année en lui remettant le Félix Spectacle de l'année Interprète. C'est aussi en 2005 que Charles Binamé réalise le documentaire « Gilles Carle ou l'indomptable imaginaire » qui se veut un hommage à l'œuvre de ce grand homme. Ça faisait des années qu'elle en parlait, surtout qu'elle en rêvait. Chloé Sainte-Marie a finalement inauguré la maison Gilles Carle cet avant-midi. En 2009, peu de temps avant la mort de Gilles Carle, Chloé Sainte-Marie inaugure la maison Gilles Carle, une maison destinée à accueillir des malades en perte d'autonomie et leurs proches aidants. Le spectacle du dernier album de Chloé, entièrement enregistré en Inu, ne cesse de récolter les éloges des médias et du public jusqu'à aujourd'hui. À Bénédra reçoit, il nous fait plaisir de recevoir la talentueuse et dévouée Chloé Sainte-Marie.
Moi, je regarde Chloé pendant que Chloé regarde ces images. Je veux savoir qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Ah, c'est de retourner tant dans le passé, c'est chavirant, je dirais. Mais c'est quand même remarquable de voir tout ce que tu as accompli. Ben, au fond, c'est la vie. Moi, j'ai rien accompli. J'ai été portée par les choses, par les événements, par Gilles, notre amour. Cet amour qui a duré 27 ans, qui dure toujours, en fait. Parce que l'amour, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc, au fond... Et la mort n'arrête pas non plus une histoire. Non. C'est la chose qui est vraiment... On pense souvent que la mort, c'est final. Ça se termine, mais ça, c'est pas vrai. La mort de l'autre, c'est pas la mort de l'autre. Parce que c'est sa propre mort qui est peut-être la finalité. Oui. Mais la mort de l'autre... Gilles, il est dans ma mémoire, il est présent en moi, je lui parle à tous les jours, je l'engueule même. Quand ça va mal, c'est sûr que je l'engueule. Et j'ai appris récemment par Roméo Saganache que souvent, les Indiens, chez les Cris et les Inuits, ils font des séances où ils vont engueuler les morts. Pour sortir la colère. Les Iroquois surtout, pour sortir la colère. Parce que parfois, on peut être en colère contre... Définitivement. Un mort qu'on estime qu'il ne protège pas assez ou qui pose pas les bons gestes ou enfin... Chloé, tu as fait tellement pour Gilles. On l'a tous vu à la télévision puis on le sent dans toi. Est-ce que tu penses que lui, il aurait été si loin si ça avait été toi dans cette situation? Mais c'est il aurait fait la même chose? C'est lui qui a fait pour moi. Moi, quand j'ai commencé à vivre avec Gilles, c'est une petite fille qui je connaissais rien de la vie, puis qui m'a tout appris, Gilles. Il m'a pris par la main, il m'a montré, il m'a donné son savoir, il m'a donné son regard, il m'a donné sa pensée, il m'a appris des choses. Et ça, ben après, moi, bon, quand il a commencé à être malade, ben j'ai fait ce que toutes les aidants font, rien de plus. Il y en a au-dessus de... au Québec, il y a peut-être 60 000 et plus aidants qui font plus que moi, parce que moi, j'avais une tribune pour alerter les gens, l'opinion publique. Alors, on fait pas, on donne pas pour recevoir. Non. Moi, Gilles, il a été diagnostiqué en 91. Pendant la postière, il tombait souvent sur le plateau. Après, il y avait un neurologue, ils ont diagnostiqué le Parkinson, mais... Ça n'a rien changé de notre amour. Mais je riais de ce J'aimerais juste parler un petit peu de ton enfance, parce que le potentiel que tu as pour aimer est tellement énorme. Et par contre, tu es venue quand même d'un milieu où l'amour ne se démontrait pas vraiment. Non. Où tes parents étaient très stricts. Oui. Où tu as eu une dure enfance, Chloé. Oui, c'est vrai. Oui, parce que mon père était un homme dur avec lui-même, un misanthrope, qui avait du mal à vivre, donc du mal à vivre avec les autres, donc du mal à endurer les gens autour de lui, parce que je pense qu'il était mal en lui. Alors, donc, la tendresse, j'ai pas connu ça dans mon enfance, c'est certain, mais je l'ai connu avec Gilles. C'est ça, c'est un être... Il était Gilles aux antipodes de mon père. Et ta mère, tu n'as jamais vu relaxer. Elle s'est jamais assise vraiment, elle n'a jamais vraiment écouté la musique, c'était toujours le travail. Elle travaillait. C'est ça, elle travaillait. C'était une perte de temps à relaxer, ou ce genre. Sept enfants. Sept enfants, plus sa mère, elle habitait chez moi quand on était jeunes. Puis il y avait souvent l'oncle ou l'homme engagé, enfin, parce que mon père était boucher, il tuait les animaux. Il travaillait. Je pense que mon père, il devait dormir 4 heures par nuit. Wow. Et je le voyais toutes les nuits en train de lire. Il se couchait rarement avant minuit. Mm-hmm. Puis la nuit, il lisait. Donc, je ne sais pas quand il dormait. Donc, je comprends qu'il devait, par moments, je ne sais pas. Se sentir comme prisonnier de sa propre vie. De cette vie que je pense qu'il aurait rêvé une autre vie. Il y aurait... Un jour, Gilles, il a dit de mon père, il était trop intelligent pour la culture qu'il avait. Il y avait une troisième année, il savait à peine lire. Oui. Donc, comment s'en sortir dans la vie? C'est dur. Alors, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles, qui m'a pris comme ça dans ses mains, puis qui
qui a fait. Mais avant de te rendre à Ville, quand même, ça a pris beaucoup de courage de t'en sortir d'un petit village, de décider que tu arrives à Montréal. Tes frères et tes sœurs avaient quel rôle dans ta vie, Chloé? Toi, tu es la cinquième, si je ne me trompe, de sept enfants. C'est ça. Est-ce que tu étais proche? Est-ce qu'il y avait un particulier qui te comprenait, la petite rebelle qui voulait te faire autre chose? On était dans des grosses familles comme ça, puis les voisins, le voisin immédiat, ils étaient 16 enfants, il y en avait d'autres qui étaient 12, 9, c'est ça, des grosses familles. Donc toi, tu avais une petite famille. C'est vrai. Oui. Alors, on était toujours dans l'urgence, je dirais. Mm. Donc, même quand on s'amusait, on jouait à la balle, il n'y avait pas de relation. Comme maintenant, amis avec les parents ou avec les frères et sœurs, c'était plus l'urgence de survivre et d'essayer de s'entendre dans une petite maison. Quoique les deux plus vieux ont été déportés, si je peux dire, à Montréal. Ah, okay. Parce que mes parents, n'étant pas catholiques, ils ne voulaient pas que les enfants aillent dans une école catholique, donc ils ont envoyé à Montréal. D'ailleurs, la religion a joué un rôle énorme dans ton enfance, parce que tes parents, ils avaient converti, ils étaient baptistes. C'était plus rare, ça. Il n'y en avait pas. Alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est quand même un courageux cheminement de choisir de convertir? C'est courageux dans un sens. C'est très courageux. Mon père, je pense que finalement, il y a quelque part, il a décidé, malgré toute la société autour immédiate, qu'il changeait de religion. Puis les gens, ils disaient, t'as changé de religion, je vais changer de boucher. Alors, il a été plusieurs fois mis de côté, mais c'était sa façon à lui, je pense, de marquer. Et si jamais ça arrive, mais pourquoi je pense pas. On se sent comme un violent après 4 ans dans notre maison où elle nous volait, où elle nous espionnait. Elle faisait semblant de nos amis, puis dans le fond, on écrivait des rapports pour les donner à je sais pas qui. Mm. C'est terrible, ça. C'est un sentiment, on sent, quand on a ça, là, on s'est senti. L'âme violée. Parlez-moi de vos enfants. Vous avez eu des enfants avec votre mère. Vous en aviez un? Léandre. Qui est resté au Québec, qui est allé vous retrouver à... Oui. Et vous en avez eu deux autres? Camille et Champy, ils s'appellent des hybrides, deux autres. Mon fils, des hybrides? Oui. Comme des Toyota, là. Mais donc, comment ça a fonctionné en Afrique? D'abord, pour au Québec, le cocon familial. Le cocon familial, alors, comme... si je peux dire très humblement et modestement, Denis, si on avait à représenter l'Afrique avec une image, ce serait une femme avec un bébé sur le dos, un seau d'eau sur la tête. Mm. Elle nourrit et élève le peuple. Ben, j'ai eu mon seau d'eau sur la tête et le bébé sur le dos. C'est ça, j'ai fait. Alors, c'était parce que Jay, quand il était ministre, il était en train de changer un pays extraordinaire. C'est un des plus grands exploits de l'histoire contemporaine. C'est la seule révolution négociée qu'il y a eu. C'est incroyable, le miracle. Mm-hmm. Mais il y a du monde qui travaillait derrière ça, là. Donc, il y a un ami qui est venu sur ta maison de foi. Si on voulait le voir, on allumait la télé. Les enfants tapaient dans la télé. Ça a été extrêmement difficile. Ça a failli péter à un moment donné. Ouais. En thérapie, puis tout est mais beau. Vous n'étiez pas loin d'être dépressive, là. Ah non, j'étais dépressive. J'étais à l'hôpital psychiatrique. À un moment donné, je pense à déborder. On peut pas en prendre, tu sais. Vous avez été interné. Oui. Donc, vous aviez le moral à être... Je ne fonctionnais plus, j'étais infonctionnelle. Puis même que c'était trop d'efforts pour aller à la toilette, puis j'avais arrêté de boire de l'eau parce que j'étais tannée de me lever. Tu sais, quand tu te laisses, quand c'est plus rien, là. Oui, ça, j'ai vécu. À la fin de son ministère à lui, là? C'est pendant. Pendant? 97-98. Et comment vous avez réussi à vous en sortir? En écrivant mon Afrique. Oui, c'est vraiment... Avec de l'aide de gens extraordinaires en Afrique du Sud, dont ma thérapeute, je parle dans mon premier livre, avec des projets, avec le fait que Jim, à un moment donné, il a laissé la politique, puis il a dit, garde, on va se concentrer sur d'autres choses. J'ai passé ma vie à essayer de changer un pays, là. Est-ce qu'il l'a fait à cause de ça? Est-ce qu'il a changé quand il s'est rendu compte que peut-être que sa famille s'en allait chez lui, puisque vous étiez malade? Aussi. Il y avait plusieurs raisons, mais c'était une des raisons principales, de pouvoir être avec sa famille. Et l'autre étant qu'il n'était pas fait pour être assis ses bancs de l'Assemblée nationale à voter des lois. OK, tout le monde fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. Oui.
présentation des vitamines Adrien Gagnon. S'investir pour le savoir, c'est s'assurer qu'on laisse quelque chose de meilleur derrière nous. J'ai aimé mon passage à l'université, ça m'a permis de grandir. L'Université du Québec à Trois-Rivières a déjà un excellent rayonnement, donc ce que la Fondation va nous apporter, ce sera de consolider nos acquis et de nous permettre de nous développer encore plus. La Fondation va supporter des chaires de recherche et de la formation des étudiants. Soutenez la campagne de financement de la Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Cet automne, magasiner aux Galeries du Cap, c'est simple et pratique. Pour toute la famille, découvrez-y les dernières tendances et les nouveautés de la mode automnale. Que ce soit pour renouveler votre garde-robe, décorer votre maison, trouver le cadeau idéal, vous divertir au cinéma ou simplement y faire vos emplettes. Mon choix simple et pratique pour toute ma famille, c'est les Galeries du Cap. C'est la vente fin de saison chez Trois-Rivières Honda jusqu'à 6 000 $ de rabais sur les 2010 et la Civic est à partir de 13 985 $, transport et préparation inclus. Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières. Osez la sensation au Centre des Arts de Shawinigan. Voyez le premier one-man show de l'humoriste Philippe Band le 13 novembre et le 26 novembre, le maître de l'hypnose, Mesmer. Billets en vente dès maintenant. J'allume une chandelle de Glade, puis tada! Je me sens transformée rapidement. Pomme et cannelle pour rigoler. Soirée élégante et oxycaline pour me sentir sexy. Et vanille française pour relaxer. Vous devriez essayer les chandelles de Glade. C'est comme un petit coup de baguette magique pour l'humeur. Libérez la magie. Et c'est Johnson, une entreprise familiale. C'est pas facile de perdre 30 livres. C'est encore moins facile de le faire tout seul. Heureusement, j'ai ma conseillère Jenny Craig qui m'aide. Le programme Jenny Craig est enfin disponible au Québec et c'est le programme idéal. Je peux parler à ma conseillère où et quand je veux. Il livre mes repas à la maison et c'est délicieux. Résultat? J'ai déjà perdu 10 livres. Appelez maintenant et profitez de notre offre. Perdez 20 livres pour 20 $ plus le coût des repas et de livraison. Appelez Jenny. Moi, j'appelle ma conseillère. Notre adolescence, on était en train de rigoler. Il y a eu un moment où tout le monde aimait cette chanson et après on avait comme genre honte de dire qu'on l'a tellement aimé. On a dansé des yeux cochons. On a aimé cette chanson quand même. Tu l'as aimée. Oh oui, j'étais toute jeune, c'est beau. C'est le rêve de l'amour. Est-ce que tu rêvais d'être en amour avant que tu l'as été? Est-ce que tu t'imaginais comment, avec quel genre d'homme quand tu étais petite fille? Ah! certainement le type classique des contes, le prince charmant, blond, mince, beau, aux yeux bleus. Ouais. Et avant, Gilles, est-ce que l'amour a été facile pour toi? J'étais si jeune quand même quand tu l'as rencontré, tu n'avais que 18 ans. Moi, j'avais des petits copains d'école, comme toutes les filles. Mais pas plus que ça. Non, pas plus que ça. C'est trop jeune. Et quand tu as décidé de quitter ta maison familiale pour te rendre à Montréal, est-ce que tu l'as annoncé à tes parents ou tu l'as juste fait, Chloé? Je l'ai fait parce qu'à partir de 18 ans, on pouvait le faire. Donc, je l'ai fait simplement. Je suis allée à Drummondville. Oui. Et puis après, faire un an de cégep là-bas. Puis je suis venue à Longueuil d'abord. Édouard, mon petit. Et puis, c'est tout. Et là, tu vas au Festival du cinéma. Ouais. Ici à Montréal. En 81. Tu vois Gilles Carle, il te spot, mais pas à peu près, puis il dit « wow ». Il y avait vraiment quelque chose, dans le regard. Uniquement. Dans le regard. Pas parlé. Mais quand tu es allée chez lui, un mois plus tard, déménage chez Gilles, et tu restes là depuis. Moi, je suis jamais repartie. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui m'a fait, hein? Voyons, il m'a mis la main dans le cou. Il est passé derrière moi. Il a mis sa main comme ça sur ma nuque, mais pas sur, vraiment sur, dans le cou. C'est fait. D'accord. D'accord. Et depuis, tu as dit que Gilles Carle, c'est ta famille.
C'est ma famille? Oui. Ah oui. Il est devenu ta famille entièrement. Oui, il était tout pour moi. Il représentait tous les archétypes de l'homme. Et ta famille biologique, est-ce qu'ils l'ont rencontré? Est-ce qu'il y a eu des connexions? Ah oui. Il y a eu quand même, oui. 2 ans après. J'attendais, je ne voulais pas l'amener parce que mon père buvait quand même. Puis oui. Mon père savait que je vivais avec un homme qui avait le même âge que lui. C'est ça. C'était pas très... Comment cette première rencontre a eu lieu? C'était quoi la réaction? Mon père, il avait bu. Donc, il était déjà dans un état avancé d'alcool. Donc, il était plutôt... Ouvert. Genre, il était agréable, disons. Non, agréable, mais il y avait quand même une tension. Mais la première fois, c'était Noël, je pense. Oui. Fait que ça passait mieux. Mais je tenais pas à y aller dans ma famille. Non. Je sais pas pourquoi. Et depuis son décès, est-ce que tu as senti un besoin de revoir ta famille biologique ou d'avoir des liens plus proches? Non. Parce que je suis toujours en voyage. Je travaille, je vois ma mère. J'ai vu ma mère il y a 2 semaines. Okay. Mais on se voit très peu. Chacun, on est dans sa vie. Puis... Dans son monde, un peu différent chacun. Alors, je reste... j'ai ma famille à moi, qui est notre famille à Gilles et moi. Exactement. Nos amis ont été très présents durant toutes ces dernières années. Yvon Sarrazin, Pierre Durie, Roméo Saganache, Bébite. Mes amis très proches qui ont été d'un soutien extraordinaire. Jocelyne Maillard aussi, qui était chef préposé, qui était là à l'hôpital jusqu'à la fin. Mais quand tu l'as rencontré, lui, il avait déjà 2 enfants. Oui. Et avec le recul, les enfants maintenant regardent cette situation et ils ont dit qu'ils ont trouvé ça très difficile, que leur père a tellement aimé d'autres femmes d'une certaine façon. Parce qu'elle aussi, il y a 2 filles puis un garçon, si je ne m'abuse. Il y a 3 filles. 3 filles. 3 filles. Alors, elles ont senti vraiment le fait que leur père ne les a jamais vraiment aimées aussi profondément. Comme par exemple comme il t'a aimé. Mais je pense qu'on a tous ça face à notre père. Je comprends. Je comprends très, très bien que quand on surtout un homme célèbre, comme je dis, voilà, là, ça, c'est une exception. Et qui tombe amoureux. Bon, il y a eu Carole Laure, il y a eu Anne Tourneau, moi. Je peux comprendre très, très bien leur douleur. Oh, oui. Est-ce que tu as été quand même appréciée par les filles, tu sais, quand tu es arrivée? Mais on ne se voyait pas beaucoup. Non. Parce que Gilles était toujours en train de créer, de tourner, de faire de la photo, de dessiner. C'est un créateur à 100% de son temps. Oui. Alors, je pense que j'ai peu connu ses enfants quelque part parce que Gilles était absorbé dans son travail et moi j'étais avec lui. Je le suivais partout, j'étais bien 24 heures par jour avec lui. C'est incroyable, mais j'aimerais également te parler du fait de 27 ans ensemble et tu as dit que Gilles Carle ne t'a jamais dit je t'aime. Il écrivait, il ne le disait pas. C'était non. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est à la mode. Les gens, les amis se disent je t'aime, je t'aime. Non, ils ne disaient pas ça, mais Dieu qui me l'a prouvé. Il te l'a prouvé. Est-ce que tu aurais voulu qu'il te le dise? Est-ce que tu lui as déjà demandé de te le dire? Ou... Non. Non? Pas non, parce que j'avais pas besoin. Non. Son amour était véritable. On n'a pas besoin qu'on le dise quand c'est sincère. C'est si on ne le sent pas, là, on a besoin d'aimer. Ce grand amour que tu as vécu avec lui, et tu n'as jamais voulu avoir d'enfant, Chloé, parce que tu as dit quelque chose, tu as dit que tu ne sentais pas que tu serais capable de donner l'amour nécessaire à un enfant. Mais avec tout cet amour que tu portais en toi pour cet homme, tu ne penses pas que c'est... Mais j'étais enceinte de Gilles. Oui, et tu ne l'as pas gardé. Non, parce que c'est égoïste, c'est un choix égoïste peut-être. Parce que tu ne voulais pas le partager, Chloé? Non. Voilà. J'étais bien avec lui, je savais pas, et puis je me sentais pas capable d'élever un enfant. Je rêvais d'élever un enfant d'une façon presque fanatique. Oui. Moi qui n'aime pas le fanatisme, oui. Mais absolu, c'est-à-dire tout lui donner. Exactement. Et qu'à lui. Donc, au fond, Gilles, c'est à lui que j'ai voulu tout donner, ce que j'avais. Et toi, dans un sens, parce que tu étais quand même aussi un peu l'enfant et tu aimais la façon que lui, il prenait soin de toi, parce qu'il avait plusieurs rôles dans ta vie. Mais oui. Ton père spirituel, ton mentor, ton amoureux, tous les rôles. Quel rôle te manque le plus maintenant depuis qu'il est parti? Amoureux.
amoureux. Parce que juste même s'il y avait du mal à me toucher, là, je me collais sur lui, puis je prenais ses bras. Quand il était assis comme ça, je me mettais sur lui. Je prenais ses bras, puis avec ses bras, je m'entourais. Ça me manque beaucoup. On va parler de ton album parce que c'est très important. Et d'ailleurs, il est là-dedans, Gilles Carr. Oh, on ne peut pas parler de ce que tu es en train de faire sans parler de Gilles. Mm-hmm. Mais on va se laisser pour aller à la pause sur une autre chanson que je sais que tu as appréciée. Moi aussi, je vais aimer celle-là. Angie to the Rolling Stones. Ah oui, Angie. Dès maintenant. Mon style, mon confort, ma boutique. Caron Chaussures. Max, tu es zen maintenant. Oh, juste pour te montrer tout ce qu'on peut faire de bon avec les aliments M&M. Ah, comme du poulet curry au miel et à l'ail, j'imagine. Tu lis dans mes pensées. C'est ça qui me fait peur des fois. Voici le macaroni à la dinde à la façon recette express de Claudine et Astro. Dans un grand poêlon, faites cuire la dinde et les oignons verts. Assaisonnez la viande au goût. Pendant ce temps, faites cuire les pâtes, puis égouttez-les avant de les remettre dans la casserole. Ajoutez-y le mélange de viande, les oignons verts et le yogourt genre Balkan. Faites gratiner au four de 15 à 20 minutes. Les enfants vont adorer. Cette recette express vous a été offerte par le yogourt Astro original genre Balkan qui vous invite à regarder tout simplement Claudine. Astro, naturellement bon, naturellement délicieux. On vous ouvre ses portes sur 100 000 produits. On sait ce que c'est entretenir une notre école, l'école publique particulièrement, on dit que c'est plus la qualité d'autrefois. Les professeurs sont débordés, les infrastructures sont dépassées, vieillottes. Il y a trop de jeunes dans les écoles. Et on dit aussi que le fait qu'il y a de l'éducation spécialisée dans les mêmes écoles, c'est très difficile. Alors, où est-ce qu'on en est là-dedans? On a décrété une semaine pour l'école publique et la porte-parole est Claire Saint-Paré qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Baba. Merci de nous accueillir parce que lorsqu'on a fait la demande pour avoir les médias, à chaque fois qu'on reçoit une réponse comme celle-là, on est heureux, ça prouve que vous êtes intéressé à l'instruction de nos enfants et ça, ça nous fait plaisir. C'est parce que je me pose des questions comme parents, comme tout le monde, où on est rendu avec l'école publique. Vous êtes porte-parole d'abord, pourquoi? Là? Pourquoi vous avez accepté ça? On sait que vous avez été passe-carreau dans une autre vie, mais vous êtes impliqué dans l'éducation depuis ce temps-là. Oui, mais les gens ne savent pas que j'ai eu 30 enfants démunis chez moi par semaine pendant 7 ans. Donc, j'ai été dans le milieu, j'ai été dans une situation concrète. Là. Quand on est sur le terrain, on voit ce qui se passe et on comprend ce qui se passe. J'ai été 5 ans au Conseil supérieur de l'éducation. Donc, j'ai vu aussi, j'ai travaillé au sein de l'éducation, donc je sais ce qui se passe également. Alors, j'ai est-ce été que ça va si mal que ça, l'école publique? Non, pas du tout. C'est justement, il faut changer cette image-là que les gens ont, parce qu'on parle, quand il y a des gens, des animateurs, tout le monde, qui disent « Ah, les enseignants ont 2 mois de vacances, ils font rien à l'école et tout. » Le jeune qui écoute l'animateur dire ça, il revient à l'école avec ça dans sa tête. Fait que l'enseignant qui est en avant, il n'y a pas seulement qu'un adolescent, puis il n'est pas devant la télé ni devant l'ordi. Il l'a pour 8 heures de temps devant lui. Ça me dit, ça va mal à l'école à cause de moi, là. Ben, peut-être. Non, mais c'est quand quelque part, l'enfant prend l'exemple en quelque part. Mais est-ce que donc, pas plus si vous parlez que... puis vous dénigrez les enseignants, qu'est-ce qui arrive? C'est que le jeune, lui, il arrive à l'école avec cette image-là. Il n'a pas besoin de ça parce qu'il y a déjà assez de problèmes. Il y a 1 million d'enfants qui va à l'école publique actuellement. C'est 88 % d'enfants dans la population. Quand on écoute le docteur Julien, puis c'est pas en l'air qu'il lance ça, il y a 30 % des enfants qui ont des difficultés très graves à moins graves. Mais ces enfants-là qui déjeunent pas, on ramasse des fonds pour les petits déjeuners, mais ces enfants-là qui déjeunent pas, s'il n'y avait pas d'école publique, ils n'auraient même pas le droit à l'instruction. Mais il y a plein de parents qui sont au courant de ça, puis qui disent, tiens, moi, j'envoie mes enfants à l'école privée, puis bon, je vais payer. Bon, ça, je l'attendais, celle-là, bien parce sûr. Parce que, justement, il y a trop de difficultés à l'école publique, puis on sauve, on s'en va. Mais c'est pas qu'il y a trop de difficultés à l'école publique, c'est qu'on parle toujours du côté négatif. Alors, c'est sûr que Gilles, perdant sa motricité fine, moi, je l'ai vu se décomposer. Mmh. C'est ce qu'il a écrit dans « On a tout oublié la vie ». Je me décompose lentement, lentement, je me fuis. Je l'ai vu se décomposer. Mais en même temps, c'est extraordinaire de voir qu'on peut trouver à travers ça un sens dans la création, dans l'amour.
Et Gilles, il a fait des photos de moi, des milliers de négatifs. Il faisait des dessins tout le temps. Est-ce qu'il va finalement sortir un livre là-dessus? Oui. Ça va sortir toutes ces photos. Il n'y a pas une journée que vous avez passé ensemble où il n'a pas pris une photo de toi. Ah, je pense. Ou notre première nuit d'amour, il l'a pris en photo. Wow, c'était vraiment cool, hein, parce que l'Internet, c'est tout tard, ça, mais bon. Non, mais pourquoi? C'est incroyable, quand même. Mais moi, j'avais une telle admiration, je l'adorais, cet homme. Et comment tu savais de faire confiance si profondément à cet homme dès le début? Parce qu'on sent, ça se sent, les gens sincères, les gens généreux, ça c'est palpable. Mais des fois, on se trompe, mais toi, tu non, pas du tout. Non, on se trompe pas. Tu trouves qu'on se trompe jamais quand non, on aime quelqu'un qui nous déçoit ou qui... C'est-à-dire que s'il y a l'amour, s'il n'y a pas d'amour, bon, il peut avoir des relations sans amour ou sans grand amour. Bon, c'est des relations qu'on appelle de passage. Oui. Mais l'amour absolu, on ne se trompe pas. À travers cet amour aussi, tu es devenue la porte-parole des aidantes naturelles. D'ailleurs, je t'applaudis parce que... Ma tante et mon oncle font ce même travail avec mon cousin que j'adore, qui est malade aussi. Alors, je sais de quoi tu parles, de jour à jour. Ta colère envers la maladie, est-ce que ça t'a aidé à devenir cette porte-parole? C'est pas ma colère envers la maladie, c'est ma colère envers le système qui ne donne pas à l'aidante, qui est en général 80 à 90% du temps, c'est des femmes, d'un rôle, c'est-à-dire une fonction et une reconnaissance. Mm. Le rôle d'aidante est là, de soutien, aider vraiment la personne malade dans le quotidien, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, tu sais, mais il faut une reconnaissance morale, financière, et c'est là où, c'est ça ma colère, mon indignation. Et là, doucement, les choses changent. Depuis, mais moi, je n'ai pas fait plus qu'une autre aidante. Je ne fais pas plus que ta tante. Mm. Je fais la même chose. Quand on aime, on prend soin de l'être aimé. Que ce soit un parent, un conjoint, un enfant. Et où on est rendu avec cette bataille, Chloé, selon toi? Ça, je pense que ça avance très, très bien. Vraiment, sincèrement, on en a gagné. Tous les aidants, les regroupements d'aidants, petit à petit, à force de donner des coups de pied dans la porte, on a gagné une reconnaissance, on a gagné un respect et doucement des sous. C'est-à-dire que la maison Gilles-Carle, qui est une maison de partage pour les gens en perte d'autonomie, on a eu de la ministre Blais une subvention comme projet pilote. Et puis, de plus en plus, au Québec, se créent des maisons de répit. Donc, une maison de répit, c'est comme une garderie, mais pour personnes en perte d'autonomie. Donc, des répits de jour, répits de soir, répits de nuit. Et ça, c'est une solution réelle, concrète. Je t'écoute parler et je sais que pendant si longtemps, tu as pris soin de Gilles. Et dans ce sens aussi, tu n'as pas été obligée de prendre soin vraiment de toi. Tu sais, tes énergies étaient ailleurs, tu étais contente de le faire. Ah, oui. Mais la journée où il est parti, devant ton miroir, il restait que toi. Et je voulais savoir, qui a pris soin de toi? Il n'est pas parti. Je sais, je peux paraître folle. Non. Je te crois. Il n'est pas parti. Il est là. Il est tellement là que je n'ai pas encore, en tout cas, absorbé cette réalité. Non. Et tu as dit que ce spectacle et ce disque, je sais que tu sais, t'as sauvé dans un sens. Ah, c'est sûr. À l'hôpital, on écrivait avec Bébite le spectacle. L'album, on l'a fait pendant 4 mois à la maison. Gilles, il était là tous les jours avec Régent Bouchard, mon grand chef, ce grand génie. Il était là, il entendait, on descendait, il pouvait monter, ou nous, on descendait lui faire écouter. Donc, tu n'as jamais senti le besoin de te retirer pour te juste être seul? Non. 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 Seul, surtout pas. Non. Ah non, surtout pas. Je ne suis pas capable d'être seule. J'ai toujours... À travers, Gilles, sur 27 ans de vie, bon, il y a eu 17 ans, cette maladie qui a dégénéré doucement. Et puis donc, à partir de 97, 98, constamment, il y avait des préposés dans la maison. Ah, alors, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est pas la maladie, c'est partager ma vie intime avec l'homme que j'aime, avec des étrangers. Oui. Ça, je ne l'ai jamais accepté.
Ça, c'est très dur à vivre. Ça, c'est très dur. J'ai compris à quel point on n'était pas faites pour des communes. En tout cas, pas moi. J'ai aimé vivre seule à deux avec Gilles. Oui, même si tu étais capable de te dénuder devant les caméras, ce genre de choses, par contre, ta vie intime, sacrée. Ah, c'est paradoxal, mais c'est... On partait Noël, pour nous, on s'en allait tous les deux se cacher pour être seuls. On aimait être seuls ensemble. Regarde, on va te laisser sur une de tes chansons, Chloé. On revient, on parle du nouvel album et encore une fois de l'influence de Gilles Carle là-dessus aussi. On ne peut pas ne pas parler de Gilles Carle, que voulez-vous. On regarde ceci, on revient tout de suite avec Chloé. Allant de l'alternative au hip-hop, en passant par le country et l'humour. C'est le temps de célébrer nos artistes, ceux qui nous tiennent à cœur. Joignez-vous à nous pour l'autre gala de la disque, lundi 1er novembre, 20h, exclusivement sur Musimax. L'autre gala de la disque, une présentation de Rogers et XM Canada. Musicographie québécoise, samedi 22h sur Musimax. Une tête, ça. Elle nettoie plus que les dents. Sa tête flexible tourne à gauche, à droite, elle passe entre les dents et tout autour. Et avec son nettoyant guichou, elle élimine 99% plus de bactéries. Pas-tu, les bactéries? Colgate 360 Actitex nettoie dents, langue, joints et gencives. Pour un nettoyage plus fin de toute votre bouche, Colgate, recommandé par les professionnels dentaires. Je sais que je suis le porte-parole officiel pour les nouveaux M&M Bretzel, mais c'est pas vrai que vous allez mettre un Bretzel géant en dedans de moi! Hey, le gros, penses-tu que ça fait mon affaire? Le M&M Bretzel, un Bretzel croustillant à l'intérieur d'un M&M. On a apporté fromage de Warwick. Moi, j'ai des biscuits à Saint-Augustin. Puis, j'ai un pâteau frit de Chicoutimi. Vous autres en avez pas de Montréal? Moi, j'ai amené deux asperges de Brossard. Manger québécois? Il y a des milliers de produits du programme Achat Québec à prix imbattable chez Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Le 1er novembre à 20h, Musimax, en collaboration avec XM Canada, diffusera en direct l'autre gala de la disque, animé par Rémi-Pierre Paquin. Inscrivez-vous au musimax.com pour avoir la chance de gagner une radio satellite avec abonnement d'un an offert par XM Canada et des billets pour assister au gala. Joignez-vous à nous pour cette grande fête de la musique. Le 1er novembre, 20h, sur les ondes de Musimax. Prêt à tout pour savourer les gâteries Temptation. Parce qu'aucune autre gâterie ne les rend aussi heureux. Quoi, Chloé? C'est Bibi. Je voulais seulement te dire que je t'aime très, très fort. Et puis, tu es le meilleur élève que j'ai jamais eu. Ce que j'aime beaucoup chez toi, là, c'est tes contradictions. Par exemple, tu vois, tu passes sur les rouges et puis tu attends sur les lumières vertes. Puis, j'aime beaucoup ta générosité et puis ton goût prononcé du bon vin. Voilà.
C'est tout ce que je voulais te dire. C'est court, mais je t'aime. On n'a pas besoin de dire grand-chose non plus. Quand on aime quelqu'un, on le sent. Dit, si. Quelle femme exceptionnelle et pour toi très importante. Oh mon Dieu, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon amie, c'est ma maîtresse, c'est tout. Brigitte, elle est une grande âme. Tu voulais aussi rendre hommage à cette langue qui est en train de disparaître. Il y a juste 12 000 personnes qui parlent l'ini, c'est ça? Dans le monde. Dans le monde. Donc, c'est une langue universelle. Et je lui disais, pour être universel, il faut être local. Plus tu es local, plus tu es universel. Tu m'avais dit ça, puis je trouve ça très intéressant. Et l'ini, c'est universel. Et partout où je vais, les gens, ils reçoivent l'émotion comme les chants grégoriens. Oui. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je te disais durant la pause? J'écoutais cet album dans ma voiture. Et le stress des fois qu'on vit, ça m'a permis d'aller ailleurs. Bien sûr, j'ai pris le temps de lire les paroles après parce que tu nous donnes les traductions en français. Mais ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de lire des textes. On peut s'imaginer ce qu'on veut. Absolument. Ce que toi, tu as toujours voulu dire à tout le monde. Il ne faut pas se mettre dans des boîtes. Même les mots peuvent nous encadrer des fois et nous obliger de penser certaines choses. Oui, c'est pour ça que cet album m'a permis d'aller plus loin que quand je fais un poème de Miron, que je chante un poème, il faut que le poème lui donne toute la place. Donc, moi, je me retire. Alors que là, comme c'est une autre langue, c'est des sonorités, ça nous a permis d'aller un peu plus loin. Définitivement. Mais j'aimerais citer quelque chose, parce que Une journée à la fois est une grande chanson sur ce disque. Et le texte dit, ne sois pas tourmenté par le passé, tu ne peux rien y changer, la page est déjà tournée, prenons une journée à la fois, oublie tes souffrances, regarde vers l'avenir. Tu as souvent pleuré. Aujourd'hui, tu chasses le bonheur. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, je suis sûre que tu crois à ça, mais je ne suis pas sûre que tu es rendue là. Non, ben, parce que le bonheur, je ne sais pas c'est quoi, en fait. C'est des petits moments heureux de la journée, mais dans un grand moment malheureux, peut-être. Ça peut être le contraire, mais... mais c'est des petits moments. Puis oui, je cherche ces petits moments, mais ils sont dans la création, ils sont quand je fais un spectacle, ils sont quand je parle à Gilles, quand ils sont. J'ai ses cheveux avec moi. C'est ça. Puis un moment de bonheur, c'est quand je passe ses cheveux sur mon visage. Qu'est-ce que tu lui as dit dernièrement que tu peux partager avec nous? Hier, je l'ai embrassé sur sa photo. Oui. Tu fais ça régulièrement? Oui. Et ça t'apporte du bonheur ou tout ça? C'est pas un acte dans le vide pour toi du tout. Il me manque, c'est sûr. J'ai 27 ans de vie avec Gilles. Oui, on aurait dit que les dernières années, c'était encore plus fort parce que comme il pouvait plus bouger, c'est moi qui bougeais pour lui. Puis j'étais toujours en train de le caresser, cajoler, toucher, le flatter, le bécoter, l'embrasser. À l'hôpital, je l'embrassais partout, partout. Puis il m'a dit un jour, à chaque fois que tu me touches, je gagne une année. Il pouvait presque plus parler, mais il a pu dire cette phrase. Et au début, je pense quand tu as entendu ça, ça t'a fait beaucoup de peine, mais aujourd'hui... J'ai compris que... Je comprends c'est quoi être touché. Les vieux ne sont plus touchés. Et d'ailleurs, tu dis que même sexuellement, quelqu'un qui est malade a encore besoin de ce genre d'attention. Absolument. Puis, je peux comprendre que dans un couple, quand l'aidante est épuisée, qu'elle n'ait plus envie de remplir ce besoin et d'aller chercher de l'aide ailleurs. Oui. Et je trouve que... Et ça, c'est très caché et c'est très mal vu qu'on dise... qu'on aille chercher des péripatéticiennes pour faire remplir ce besoin. Oui. Mais moi, j'ai un projet extraordinaire. Raconte. Le projet Bernadette Bonheur. Oui, que je trouve vraiment important. Pour que les gens qui sont en perte d'autonomie et qui peuvent pas avoir ce besoin-là comblé par leurs proches, conjoints... Ou peut-être qu'ils n'ont pas quelqu'un à côté d'eux. À côté, ben, d'aller chercher ailleurs. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus grand besoin d'une personne qui perd son autonomie, que ce soit dû à l'âge ou à la maladie,
c'est d'être touché. Et moi, j'insistais que mes préposés touchent Gilles. La main, le massé, les épaules, le toucher. Et pendant que je t'écoute parler de Nathan Pizepas à toi au début avec lui, tu disais que tu étais jalouse de tout le monde qui était autour de lui. Et là, à la fin, j'étais jalouse, pareil. C'est ça que je me demande. Est-ce que tu étais jalouse des autres qui prenaient soin de lui? Mais dans un sens, parce qu'en même temps, c'est comme... Parce que c'est dur de partager l'être aimé avec d'autres qui doivent en prendre soin. C'est sûr que c'est terriblement difficile. Mais en même temps, il faut se raisonner et comprendre que, bon, il faut faire les soins, donner les soins. Mm. Gilles avait besoin d'être lavé. Il fallait l'aider à manger, à boire. À brosser ses dents. Tout. C'est sûr. La douche, tout. Mais c'est dur au départ de partager. Mais après, c'est sûr qu'il faut... Chloé, tu as dit quelque chose. Tu l'aimais tellement que tu es devenue lui. J'espérais être lui. C'est-à-dire voir le monde par son regard à lui, à travers ses yeux. J'ai jamais rencontré de gens... c'est sûr, mais c'est un être totalement sans haine. Donc, tu sais, il n'y avait pas jamais d'amertume, de ressentiment avec des gens, des choses. Même ses ex? Ah non! Non. Il était tout ami, il avait comme... Oui! C'est rare, ça. C'est rare. Oui. Et j'espérais avoir... Je cherchais ça, cette espèce d'état d'être au-dessus des choses. Oui. Puis Gilles, il flottait au-dessus des choses, comme ça. Puis il m'a donné ça, mais comment dire... J'ai pas eu... même moi, j'ai des colères. Lui, il avait pas de colère. C'est incroyable, hein? Reste là, Chloé. On va dire à tout le monde de rester là aussi. Parce qu'après cette courte pause, je veux savoir ce que Gilles... Pas ce que Gilles t'a donné, mais ce que toi, tu as donné à Gilles. Parce que tu parles de tout ce que lui t'a donné. Je sais qu'il n'est pas là pour nous répondre, mais peut-être tu pourras nous dire qu'est-ce que toi, tu penses. Et on va se laisser avec Léo Ferré, Avec le temps, une autre merveilleuse chanson qui reste à travers les temps. Que voici. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait. Au détour d'un regard entre les mots. Lundi 1er novembre, c'est la grande soirée pour l'autre gala de la disque. 21 Félix seront remis tous styles confondus, allant de l'alternatif au hip-hop, en passant par le country et l'humour. C'est le temps de célébrer nos artistes, ceux qui nous tiennent à cœur. Joignez-vous à nous pour l'autre gala de la disque, lundi 1er novembre, 20h, exclusivement sur Musimax. L'autre gala de la disque, une présentation de Rogers et XM Canada. Le grand décompte Musimax, vendredi 15h sur Musimax. Moi, des fois, je reviens chez moi, puis j'ai envie d'un petit vent de fraîcheur. Ben, vous me croirez peut-être pas, mais j'ai un truc magique, puis ça marche à tout coup. Je fais un pas vers l'avant, comme ça. Ça, c'est la brume odorante sur demande de Glade. Son détecteur de mouvement fait de la magie. C'est comme une bouffée de fraîcheur pour le corps et l'esprit. Libérez la magie. Et c'est Johnson, une entreprise familiale. Ce vendredi, bienvenue au cours de dragon. Décollez. Oui. Avec un des DVD les plus fumants de l'année. Regardez-nous, on est sur un dragon. Le souvenir de Chloé Savary qui est avec nous ici. Puis on était en train de parler évidemment de ta carrière qui est tricotée serrée avec celle de Gilles Carle. Je me demande si un jour tu pourrais faire une entrevue sans parler de lui. Non. Jamais, hein, Chloé? Non, parce que tout est, comme tu dis, lié. C'est les films que j'ai faits, c'est avec lui, les albums, c'est avec lui. Il m'a écrit des poèmes, il faisait de la photo, il me dessinait. Donc ça ne te dérange pas dans un sens. Mais non. Parce qu'il y en a qui disent, je ne veux plus parler de ça, c'est dans le passé. Non. Pas toi. Le passé, c'est est garant du présent. Je veux dire, c'est le passé qui fait ce que je suis maintenant.
c'est toutes ces années avec lui de bonheur et de joie, puis d'orgie, de plaisir. Oui. Je sais que tu vas rendre hommage à Gilles Carle bientôt. Il y aura quelque chose de très, très gros et très, très beau. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que lui dirait, si j'avais eu la chance de lui poser la question? Qu'est-ce que Chloé t'a donné? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, Gilles, qui a changé ta vie? Qu'est-ce que tu penses qu'il me dirait? Il dirait, elle m'a emmerdée, elle m'a dérangée. Et il a adoré. Il blaguait tout. La première chose qu'il m'a dit, quand je suis arrivée dans sa vie, il m'a dit, dérange-moi. Wow. Alors, je l'ai dérangé. Tu l'as dérangé. Tu l'as dérangé. Je l'ai dérangé. Je le dérangeais tout le temps. Je le questionnais sur tout. À chaque fois qu'on me demandait, soit une entrevue, soit un conseil, toujours c'est Gilles, mon conseiller. Mm-hmm. Alors, je lui demandais conseil dans tout. Dans tout. Alors, quand il a pu être capable de parler, j'ai perdu aussi mon conseiller. Alors, je l'achalais, je ne pouvais pas m'exprimer sans avoir son avis. Tu penses pouvoir aimer encore? Comme ça? Non. Non. Je crois pas. J'aimerais ça, mais je crois pas. Mais tu es ouverte à l'idée que peut-être, tu penses qu'il voudrait que tu l'aimes encore? Parce qu'il était très jaloux et possessif aussi. Il faisait semblant de pas l'être, mais il l'était. Mais il l'était. Mais je crois pas. Je sais pas, parce que je crois pas que je pourrais aimer comme j'ai aimé Gilles. C'est sûr, c'est 27 ans de vie, j'étais jeune, donc je crois pas. Non, je crois, ça sera autre chose, mais... Et l'amour que le public te témoigne depuis ces dernières années, Chloé, ton histoire, ton ascension, ton appréciation, je pense que même en vieillissant, on commence vraiment à connaître la profondeur de ton âme, qu'on n'a pas vue au début de ta carrière, parce qu'on était tous superficiels. Elle est belle, oh, ça doit être la petite blonde de Gilles, on ne savait pas ta profondeur. Je peux te dire ça. Hein? Mais on ne le sait pas. Et on ne le sait pas non plus. Hein? Moi, c'est la vie qui nous amène à poser tel geste ou tel autre geste, mais c'est un concours de circonstances. Donc, si tu as aimé Gilles autant que tu dis, et je te crois, est-ce que tu as appris à t'aimer toi autant parce que tu es devenue lui? Donc, tu dois t'aimer. S'aimer, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que j'ai toujours pensé que c'était très prétentieux de s'aimer soi-même. Oui. Donc, tu te le langage des petits aime-toi, je trouve qu'il faut aimer les autres. Alors, tu vas nous laisser à travers t'aimer. Les autres. Alors, j'ai beaucoup besoin de cet amour en scène. C'est pour ça que j'aime tant la scène, plus que le cinéma. L'amour que les gens me donnent, me témoignent dans un spectacle, c'est immense. Et après le spectacle aussi, et ça, j'en ai besoin. Donc le fait que tu chantes dans des langues qui sont en train de disparaître et qui nous permet de rêver aussi, te permet aussi de voyager, et tu vas aller un petit peu partout, promouvoir le tout, et chanter, faire rêver les autres, et ça te fait du bien. Ah, ça me fait du bien, ça me fait... Après un spectacle, ce que les gens me disent, ça, c'est un bon dans ma vie, c'est certain. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Chloé? D'être heureuse. D'être bien. Oui. Simplement bien. Ben, on te le souhaite. J'ai du mal à être bien dans la vie, mais j'essaie. On te le souhaite, Chloé. Tu nous fais du bien en passant. Tu nous fais beaucoup, beaucoup de bien. Merci de ta belle visite. Merci. Je te souhaite tout ce que tu désires. Tu sais quoi? Plus encore. Voilà. Ah, merci. Voilà, Chloé. Merci d'avoir été des noms. On se laisse sur une de tes chansons, Chloé Sainte-Marie, un vrai bonheur aujourd'hui dans le cadre de Denis Bras reçoit. Merci Chloé. La minora dorée, toi qui autrefois avança le jour sublime, nous laisseras-tu ce poids, nous laisseras-tu infirme?
Scène spectaculaire. Les passionnés n'en demandaient pas tant. Très, très beau. La dernière fois, je l'avais manqué, là, mais là, je ne l'ai pas manqué. Je suis arrivé à 2h ici cet après-midi. Je ne l'ai pas le manqué, j'ai les frissons d'un bras. Ils étaient des centaines, voire quelques milliers massés tout autour de la piste. Balayeurs d'ondes, escabeaux, appareils photo, tout pour ne rien manquer. Vous savez que les gens à la maison, souvent, vont dire ben, c'est juste un avion, après tout, qui vole, mais hein, vous dites non, vous. Quand tu payes 560 tonnes, puis atterrit sur une piste de 10 000 pieds. Je sais pas, on est tout petit, mais on est capable de construire des choses impressionnantes comme ça. C'est beau à voir, je trouve. Le vol à F-346 a eu droit à l'accueil protocolaire. Les pompiers de l'aéroport créant une arche d'eau en l'honneur de ce tout premier vol commercial. Parce qu'il faut bien le dire, la dernière fois qu'un A380 s'est posé à Montréal, c'était en 2007, à l'occasion d'un vol test, et l'avion portait alors les couleurs du fabricant Airbus. Ce soir, Air France a confirmé qu'un Airbus A380 assurera la liaison Paris-Montréal chaque jour à compter de mai 2011. Nous desservirons l'été, mais aussi l'hiver. Et donc, c'est maintenant quelque chose qui va devenir quotidien pour l'aéroport de Montréal de voir se poser notre bel oiseau. Puis, autour de 20 heures, l'appareil a redécollé vers Paris. Courte escale, mais gros coup de marketing. Maxime André, TVA Nouvelle, Montréal. Un important glissement de terrain s'est produit à l'Épiphanie, dans la Naudière. Une portion de terre d'environ 40 mètres de large sur 30 mètres de long s'est affaissée. Trois résidences ont dû être évacuées. L'une d'elles se trouvait pratiquement dans le vide. La sécurité civile va effectuer des tests afin de vérifier l'état du sol. On ignore pour le moment qui a provoqué ce glissement de terrain, mais on sait qu'il y a eu de fortes pluies ces derniers jours. Et aussi, il y avait des travaux qui étaient effectués dans le secteur à l'aide de machinerie lourde, de pièces de machinerie lourde. La voisine immédiate d'une des maisons qui a dû être évacuée n'est pas inquiète outre mesure. Les autorités ont jugé qu'elle pouvait d'ailleurs demeurer chez elle, que tout était pour l'instant sécuritaire en ce qui la concerne. Très impressionnant parce que ça nous a empêché de dormir hier soir, parce qu'on le voyait encore partir. Avez-vous peur ou vous n'êtes pas très loin? Non, je ne suis pas peureuse. Je suis sécuritaire parce que le terrain ici est sécuritaire. Les gens de la sécurité civile sont venus faire des visites? Oui, ils sont déjà venus, puis ils ont dit même le 2 ans passé que tout était beau ici. La Fédération des femmes du Québec soulève un tollé avec une campagne contre la mission de l'armée canadienne en Afghanistan. Vendredi. On cuisine avec le fromage, mais pas n'importe lequel. Le fromage de chèvre avec le grand Thierry Baron. Les Douilleurs, vendredi 20h sur Arte TV. C'est une dénonciation d'une société bourgeoise
corrompu. Tout le monde est prêt à exploiter le sens moral de chacun. J'ai des phrases là, qui pourraient être tirées exactement de la une de la presse ou du Devoir aujourd'hui sur les juges, sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a une phrase à un moment donné que Fitchin dit, l'homme est capable de créer la misère, mais est incapable d'en supporter la vie. Et ça, pour moi, ça revendique la raison d'être de l'opéra de Shakespeare. Ce que vous créez est nécessairement ce que vous êtes. C'est pas une relecture pour en faire une relecture. Donc, je me sers vraiment de l'époque de ces musiques-là. C'était très en avant-plan pendant les années 20. Donc, tous le banjo, la trompette, influence très américaine que Cudvall avait. Parce que tous les autres orateurs avant lui, il y avait du toy-toy, cette espèce de danse sud-africaine où on saute d'un pied à l'autre. Il y avait des chants. Et quand lui est arrivé sur la scène, il a fait taire les 50 000 personnes. Je ne sais pas c'est qui, lui, mais je l'ai vu dans mon reportage. Et puis, ma recherchiste elle a organisé ça. Puis, en fin de compte, ben ça a été, je dirais pas ce qu'il a fallu que je fasse pour avoir une entrevue, mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Mais vous l'avez fait, puis vous l'avez fait souvent après. Vous avez passé votre vie ça fait avec lui. On fête notre 20e, là, à la fin du mois. Donc, il y a eu... Ça a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma vie. Quand on me demande, est-ce que tu regrettes? Non, tu peux pas regretter quelque chose comme ça. Sauf que, est-ce que tu le referais? Oui, mais pas dans cette vie-ci, parce que j'ai plus d'énergie. Ça demandait énormément, parce que ça, au début, c'était six mois avec mon fils. C'était la garde partagée entre deux continents, mais en même temps, un pays qui se réveillait, qui, on comprend aujourd'hui, est devenu le laboratoire multiracial de la planète. Donc, moi, j'avais mon rêve, c'était d'être journaliste à l'étranger, et puis j'ai rencontré cet homme-là. On vous parlait de destin, ben voilà. Ben c'est ça, c'est les deux se recouvrant en même temps, là. Mais c'est quand même un grand amour, là. C'est absolument un grand amour. Puis on arrive aux douanes, les cinq ensemble, les trois enfants, là, puis là, ils nous regardent, nous posent des questions. Ouais, cinq membres, quatre noms de famille différents, deux lieux de résidence. Puis là, on est là, on dit aux douaniers, non, on s'aime. Tu sais, au gars de l'impôt, c'est la femme, non, mais on s'aime. On a deux maisons, mais on s'aime. Là, c'est dur. Il n'y a pas de bureaucratie qui existe encore pour des situations, où j'en connais plusieurs, des situations mondiales comme ça, de familles mondialisées. J'en vis une, c'est essoufflant, mais c'est absolument fascinant. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de laisser le Québec? C'était un gros plongeon de partir du Québec. Vous aviez un enfant même ici, vous avez décidé de le laisser ici, d'aller retrouver votre amoureux. C'est quand même une grosse décision. Là. Oui, parce que depuis, je voulais, moi, faire de la correspondance à l'étranger. C'était mon rêve professionnel. En même temps, je ne serais pas partie dans un autre pays pour accomplir ce rêve professionnel-là en laissant mon fils derrière. Il fallait une autre raison. De la même façon, c'est la deuxième raison, qui est l'amour avec un homme, l'amour de sa vie, quand on sait que c'est ça. Mmh. Hein? On le sait. J'aurais pas laissé ma vie et un enfant pour un amour. Ces deux éléments-là qui sont le moteur de la vie, le travail et la famille. Qu'est-ce que c'est votre vie à part de ça? C'est ça. Alors on parle de ça. Donc, et puis Léandre, mon fils, qui, d'une union précédente, a fait... s'est intégré là-dedans, il a vécu 8 ans en Afrique du Sud, puis un jour il dit, maman, pourquoi que tu ne retombes pas avec son papa? J'ai dit, là, qu'est-ce qu'on fait avec Jay? Il dit, non, je veux garder ça comme ça parce que je l'aime, Jay. Ouais. Donc c'est compliqué pour eux, mais en même temps, c'est très stimulant, dans le fond. Ouais, ouais. Parce que les images qu'on voyait, là, c'est vous et votre nouveau chum, on tombe en amour, puis je reste là. Ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Vous êtes revenu au pays. Il y a trois chapitres dans mon article. Il vous a racolé et il est revenu. C'est lui qui a couru après moi. Ah, il a couru après vous. Il est revenu au Québec, dans le Grand Nord québécois. Dans le Grand Nord québécois. Ma mère enseignait aux Inuits. Donc, au début, il a dit, j'ai déménagé avec moi. Mais je ne peux pas, je suis en garde partagée une semaine. C'est impossible. Puis, 6 mois plus tard, j'étais en Afrique du Sud. Et puis, Alors, parlez-moi justement de l'Afrique du Sud. Lui, c'était pas n'importe qui en Afrique du Sud. C'était, quand vous êtes arrivé, c'était le bouillonnement au moment où on s'est défait de l'apartheid. Donc, il était un acteur important là-dedans. Oui, si on prend la lutte contre l'apartheid, c'est deux grands pôles. Un pôle qui est politique et l'autre qui est économique. Le pôle politique, c'était pris par l'ANC. Le pôle économique, par les syndicats.
Parce que si dans le pôle politique, on disait l'apartheid est une discrimination raciale, dans le pôle syndicaliste, économique, on disait l'apartheid c'est une question de cheap labor aussi. Donc avec ces deux pôles-là, on a réussi à détruire l'apartheid et Jay est à la tête de ce pôle économique-là, avec étant à la tête des syndicats. Il était un révolutionnaire, un militant politique, il est arrivé au gouvernement, il était ministre dans le cabinet Mandela, mais un révolutionnaire comme la moitié du Parlement, du premier cabinet, du premier Parlement en 94 et 99, la moitié c'était des révolutionnaires, des prisonniers, des criminels, des gros méchants criminels, mais c'est ça. Alors, c'est ça. Puis lui, il est sorti de ça parce qu'il n'est pas politicien. Il est militant politique. Aujourd'hui, il continue à militer pour d'autres causes, dont la malnutrition. Donc, lui, quand vous le connaissez, c'est un leader syndical. Oui. Il prend la parole, il vous impressionne. Vous faites une entrevue avec lui. Quand vous retournez, il fait sa marque et il devient ministre. Donc, vous devenez une madame ministre. Oui, mais ce n'est pas très, très un bon exemple de madame ministre. Parce Comment ça? Je ne voulais pas porter de chapeau. Puis moi, j'aime bien mes sweatshirts et mes jeans. Mais là, on ne peut pas porter ça au Parlement. Et puis. Puis les gens me demandent, « Ah, t'es femme de ministre, comment t'occupes tes journées? » Mais je dis, « Tu travailles. »« Tu travailles, mais pourquoi? » Ben, bordel, parce que j'ai une tête, parce que j'ai un corps, parce que c'est pas parce que je suis mariée que je m'efface. Alors, il y a eu ça à surmonter, puis refuser de me faire appeler Madame Jane Aidou. Mon nom, c'est Lucie Pagé. On s'est mariés au Québec. Je garde mon nom de famille, ce qui n'est pas très courant en Afrique du Sud. Donc, c'était une bataille souvent quotidienne. Mais j'ai toujours fait ma vie, et lui aussi la sienne, et professionnellement parlant. Il était quand même proche de Nelson Mandela. Je pense qu'on a une photo, là. Je pense que c'est la sermentation du premier cabinet. Il était juste au-dessus de Mandela. C'est ça. Mandela est assis, lui, il est au-dessus. Donc, c'est des hautes responsabilités à un moment charnière de leur histoire. Ah oui, et puis on peut s'apercevoir, oui, des responsabilités immenses. Puis aussi, avant 94, avant les élections, le pouvoir blanc voulait l'éliminer. Il était sur une liste de personnes à abattre. Ils ont abattu Chris Hani. Il y en avait cinq sur la liste. Ben, je veux dire, les cinq premiers, c'était Jay, Mandela, Chris Hani qui ont eu. Et puis, même que j'étais en train d'étendre le linge chez nous, une fois, avec Léandre qui avait 6 ans, peut-être, puis des gars armés, ce que j'ai décrit après comme étant des AK-47, sont arrivés à la maison. Puis moi, j'ai crié, il n'est pas ici, il n'est pas ici. J'ai eu le temps de prendre mes places. Puis Jay était parti au Nigeria, puis il dit, si jamais il y a quelque chose qui arrive, appelle Peter Harris, qui est l'avocat qui l'a sauvé souvent. Que j'ai appelé Peter, caché en dessous du bureau, des gars avec des gros fusils, gros de même. J'arrive. Fait que je lui donne la place. Ben, il me rappelle le lendemain, c'était la police. Même la police. C'était le pouvoir blanc. Parce qu'il voulait empêcher la démocratie. Parce que l'avènement de la démocratie, c'est on parle d'être humain et non pas de blanc. Mais n'empêche qu'avoir des guns, c'était des mitraillettes, c'est quoi? C'est un AK-47. AK-47 sous le nez. Donc, ils ne prenaient pas l'équipement usuel de la police quand ils faisaient leur, on appelle ça covert operations, leur opération d'escadron de la mort. Et vous-même, avoir un AK-47 sous le menton, ça doit être un peu énervant quand même, non? C'est à ce moment-là que j'étais toute noire, puis en 2 minutes, je suis devenue toute blanche. Non, c'est pas vrai. Mais je pense que j'ai une couette. Des choses comme ça, oui. Un grand mythe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ces années-là, vous avez rencontré Mandela. Comment il était, Mandela? Ah ben oui. C'est un être... On va demander comment. C'est tellement difficile à expliquer parce qu'il a un charisme à couper au couteau. On était une fois un souper, puis Mandela de venir, il n'est pas venu. Puis à un moment donné, tout le monde s'est tu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement dans l'électricité de l'air. Tu sais, quand on sent quelque chose, ce sens dont on ne peut définir, mais c'est Mandela qui avait fait son entrée dans la maison. Mais il est tellement extraordinaire parce qu'il est profondément humain. Il va vous parler, c'est une que vous qui existez sur la Terre, il écoute les gens. Il écoute, il a une attention, il est humain, il a une attention à la personne extraordinaire. Et il est calme, il est intelligent, il est posé, il a un charisme. Pourquoi, c'est quoi son destin? Pourquoi il est comme ça? Il est incorruptible. Ouais. Et ça, la corruption, ça c'est d'ailleurs un vous sujet... Vous en parlez dans votre livre, oui, parce que si on enlevait la corruption sur la planète, il n'y aurait pas de pauvreté. C'est-à-dire, à partir des enveloppes brunes à Montréal, jusque dans le champ de la FIFA, où on s'arrange avec les jeux au cricket, ou des grands sports, ou n'importe dans la politique, Mandela, jamais. C'est un homme droit. Vous lui avez donné des cours, semble-t-il.
Oui, pour parce qu'il avait... Quand les militants, les prisonniers, les révolutionnaires sont arrivés pour faire une campagne, pour se faire élire, bien, il n'y avait aucune idée comment faire face aux médias. Mm-hmm. Parce que les médias, c'est une arme du pouvoir. Donc, ils s'en sauvaient tout le temps. Alors, moi, j'ai formé les gens. Ça a commencé avec mon chum qui est arrivé une journée de la télé, puis j'ai dit... Moi, je ne voterais pas pour toi. Non, tu as l'air d'avoir une grenade dans les poches, t'es tout effoiré, puis fait que là... Puis Mandela, c'était ça, donc j'ai passé une journée avec lui, effectivement, pour... Et puis le débat entre les deux chefs, qui étaient De Klerk et Mandela, on dit que c'est Mandela qui l'a remporté, mais c'est parce qu'il était un bon étudiant aussi. J'ai dit, non, on ne peut pas faire ça, il faudrait plus employer ce ton-là. Ben, la notion des grades, le langage corporel, la façon dont on répond aux questions, pas prendre trop de temps. J'espère que je ne prends pas trop de temps. Non, beaucoup, nous autres, cette fois, mais pas trop de temps. Donc, il écoutait, il prenait des notes, il posait des questions, il critiquait. Critiquer Mandela, comme critiquer Mère Teresa. Délicat, ah oui, non. Non? Non, il prenait? Oui, il prenait. Tu sais ce qu'il fait, les trois grandes qualités d'un grand leader? C'est l'humilité, c'est Mandela. Savoir quand partir du pouvoir et ne pas utiliser le pouvoir pour d'autres choses que pour servir son peuple. Deux, la compassion, pour pouvoir sentir. Ça évite la corruption. Mm-hmm. Et trois, je pense que numéro trois, c'est numéro un, c'est l'intégrité. Et Mandela a ces trois grandes qualités-là. En plus d'avoir bien les frites sur le gâteau, comme du charisme, comme un dessin extraordinaire. Vous avez vu souvent dans votre période? Ça fait la dernière fois. Ah, ben oui, il était notre voisin. OK. Alors, oui. D'ailleurs, oui, il mangeait à la maison. Vous avez fait un gâteau, là? Oui, c'est ça, au plat de la NC. Il recevait son prix Nobel. Le lendemain, il partait pour la... Il recevait son prix Nobel. Alors, je l'avais invité pour la fête de ma mère, parce qu'il me disait tout le temps, viens manger à la maison, viens manger à la maison. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, mais toi, pourquoi tu n'as pas mangé? Mais il dit, OK. Il est venu. Mais là, c'est le drapeau de l'ANC et le drapeau du Québec, moitié-moitié. Ouais. Ça, c'est avant 94. Hein? Ça, c'est... en fait, il a reçu son prix Nobel de la paix le 6 décembre 93, mais ça, c'est le 5. OK. Et c'est un gâteau à quoi? C'est pas à l'érable, mais il n'y avait pas de non, saveur québécoise. Non, c'est déjà pas pire. Et non, vous l'avez côtoyé souvent comme ça, comme voisin? Souvent. Si vous l'avez passé en auto, j'ai envoyé la main plusieurs fois prendre le thé avec lui. Et puis, deux fois en tant que journaliste, et en tant que journaliste, jamais je suis passée par notre amitié, par mon mari ou par des connaissances que j'avais amplement. J'appelais, je ne sais pas, Mme Jane Aidou, je ne sais pas, ils n'ont aucune idée, French Canadian journaliste. Je me mettais en ligne, puis une fois, j'ai attendu 3 heures pour mon entrevue, puis il n'est pas question que je brise. Puis il y a des gens qui m'appellent, ici, tu pourrais-tu nous arranger une petite rencontre avec Mandela? Regarde, moi, je ne le fais même pas pour moi. Mm-hmm. OK, ouais. C'est extrêmement intéressant. On fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Semaine Infoman, la Gigi n'est plus. Vive le nouveau Gigi. La marche bleue dans toute sa noblesse et nous enquêtons sur la mystérieuse plante de la commission Bastarache. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute en accueillant notre nouveau Gigi. Et moi, je dois vous dire que j'adore les installations de Gigi. Wow! Mesdames et messieurs, et mon nom. Grosse semaine monarchique à Ottawa, alors que David Johnston a succédé à notre Michael Jean préféré au poste de Gigi. On ne connaît pas personne, il est-tu classe? Il est classe, pauvre gars, mais qu'est-ce que Harper voulait à quelqu'un de classe? Elle nous manquera, la Gigi de nos cœurs, qui dansait partout. Qui chantait trop? Cindy Loyaye. Dombala Wedloyaye. Qui mangeait du cœur de phoque, over-émotionné. C'est absolument extraordinaire. Et qui gardait sa contenance, même si les vaches afghanes l'enguirlandaient. Il voulait pas quelqu'un qui était pas exposé des ennuis, puis aller se faire des meubles par Jacques Rose, puis Paul Rose, puis aller faire des déclarations à gauche et à droite qui pourraient l'embarrasser. Je n'entends pas de tollé de la population. Est-ce qu'il y a un tollé ici?
Sinon, il n'y a pas de tollé. Il est vrai que nous lui avions fait de la grosse pépine en révélant sa présentation au souper de la tribune de la presse. Ta gueule, conne! Et là, depuis le 21, personne ne parle de ça, sauf Jean-René Dufort. Bravo, Jean-René Dufort. Elle me fait vomir. Comment ça? C'est dégueulasse. Et malgré toutes mes tentatives, elle ne m'a jamais pardonné. C'est pour la gouverneure? Oui, je suis venu lui donner une fleur. Je savais. Pour me faire pardonner. Je savais. Ah. Madame Jean, je suis venu demander pardon. Michael, on mangeait à la cafétéria ensemble. Si Michael s'était fait installer par l'Indien Lakota, le nouveau Gigi lui fut célébré par un autochtone beaucoup plus moderne, avec un tagine sa tête. En primeur Infoman, voici le trailer officiel de Tapis Rouge du Canada. Quand vous voyez combien ça a l'air compliqué d'installer un simple tapis rouge au Parlement, on comprend beaucoup de choses. Aussi, il est toujours divertissant d'observer l'armée canadienne tenter de former une ligne droite. Ah ben, gadon, il y en a un qui est de corvée de jupe aujourd'hui. L'armée canadienne perd de l'huile, mais ne vous inquiétez pas, on a acheté des petits bacs en plastique. En dessous de chaque camion est judicieusement placée une jolie panne à huile qui permet de récupérer toute l'huile du camion, sauf une cuillerée à soupe. Alors que de petits chanteurs chantent le « God Save the Queen » en français... Je m'adonne à mon sport favori, niaiser dans l'image de la CBC. It has the kind of constitution that we have, has understood as the way in which we do things. Pendant ce temps à l'intérieur, le Gigi flatte ses bijoux et nous devons nous farcir le discours d'une madame avec une méduse sur la tête. Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni du Canada, tout le monde sort sur le perron alors qu'un invité est pris en flagrant délit de voler le menu du jour. Des coups de canon et le passage d'un escadron de CF-18. Au moins, on sait qu'il y en a au moins quatre de pas brisés. Le reste de l'armée de l'air canadienne fermait le pas. Le nouveau Gigi repart en carrosse vers Rideau Hall sous l'œil émerveillé de tous les Canadiens présents. Il ne me regardait pas. Cette première balade royale me donne l'occasion d'aller saluer dignement mon nouveau grand patron. Il m'a vu, là? On sent qu'une relation intense s'amorce. Résumé de l'épisode précédent. La semaine passée, nous avons analysé la rougeur croissante de la face du juge Bastarache. Nous avons ensuite offert un galon de Bastarouge à celui ou celle qui écrira le plus beau poème pour mettre côté l'avocate du gouvernement. Vous avez été extrêmement nombreux à écrire des poèmes à Maître Suzanne Côté. Avouons-le, elle appelait des forts ces 6 dernières semaines. Pas toujours de façon symétrique. Maître Côté, procureur du gouvernement du Québec, a contre-interrogé en moyenne 75,7 minutes pour les pro-Bellemare et 3,1 minutes pour les pro-Charest, dont 0 minute pour Jean Charest, Fava et Chantal Landry. Incroyable! Afin de présenter vos poèmes, l'équipe d'Infoman a demandé à un grand tragédien d'en faire la lecture. J'ai fait une objection. Et ça a été maintenu. Je vous salue, Suzanne, pleine de grâce. Le législateur est avec vous. Vous êtes honnie entre toutes les femmes. Et Marc, le fruit de vos recherches, est crédible. Objection, objection, mais est-ce que j'ai une tête d'objection? J'ai fait une objection. Comment ne pas s'objecter devant tant d'iniquité? Objection, objection! Mais pourquoi donc tant d'objections? Pourquoi donc s'objecter si ce n'est que pour la vérité? Oh, toi, Maître Côté, quand tu te lèves avec agilité, telle une lionne enragée, je suis impressionné. Oh, toi, Maître Côté, quand tu fais objection avec une telle pulsion, tu me donnes des frissons. Maître Bertrand, sur son lutrin perché, sortait de son bec un outrage. Maître Côté, par l'outrage offensé, lui tint à peu près ce langage. Alors, peut-être je ne sais pas lire, monsieur le commissaire. Cessez donc vos objections répétées. Il est grand temps que vous sachiez que vous nous faites bastaracher. Je vais finir par commencer à l'aimer. Quand vous vous objectez, Maître Côté, de la traque, vous êtes à côté.
On sait que Charest, il en arrache quand se lève la matrone chez Bastarache. C'est de la curiosité malsaine. Maître Côté, sur ses talons perchés, tenait en son sévère bec une objection d'un ton sec. Mais le public n'est guère poisson envers la médiatique commission. Une influence bien indue et de plus en plus perçue. Depuis le début, ma consoeur veut représenter également le premier ministre. Elle représente le gouvernement, elle ne représente pas le premier ministre. Suzanne! Oh, Suzanne! Ma super plaideuse, aux lèvres pulpeuses. Pour te déclarer mon amitié, quoi de mieux qu'un poème imaginé pour ouvrir mon cœur à toi, ma procureur. Le poème gagnant est celui de John McGrath de la belle ville de Québec. Il aura le privilège de peinturer son salon en Bastarouge. Mon cher MC, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Je suis maintenant officiellement un Nordic Nation, Jean-René. Je suis allé à la Marche Bleue. Oh, on va y savoir, nos Nordiques. Ça revient-tu, là, les Nordiques, là? Ah, oh, en tout cas, si ça revient pas, je comprends pas, parce qu'on était 60 000 à crier comme des perdus. On a ramené les anciens joueurs, le trompettiste, badaboum, du gros fun. Batman, étais-tu là? Non. Ça revient pas. Les productions à la bombe présentent la Marche Bleue de Québec pour le retour des Nordiques, des Olympiques. C'est par un beau samedi après-midi que s'est réuni plus de 10% de la population de Québec pour incanter les dieux de la subvention. Bob Hartley prenait des photos. Vous êtes déjà une rockstar, prêt pour coacher les Nordiques? On verra en temps et lieu. Badaboum prenait des photos. Et l'intellectuel Sam Hamad prenait des photos. C'est la Marche Bleue, qu'est-ce que vous faites avec votre chandail blanc? C'est Équipe Québec. L'amphithéâtre, c'est pour Québec. Aussi, le ministre Yves Bolduc était interviewé par le magazine Rolling Stone. Quand t'es ici qui vient ou t'as d'autres groupes, ça prend un endroit avec un bon son. Fan d'ici-d'ici? C'est de toute la gang. Ici, tout est nordique. Les toilettes sont bleues, il y a des poussettes nordiques, des revues McLean's nordiques, des chars nordiques, un dépressif avec son chandail des rafales, ainsi qu'un peinturé nordique. C'est pas des farces, on avait même sorti des boulamites, l'ancien trompettiste des Nordiques. Après un émouvant We Are Nordic, les organisateurs nous ont présenté une chorégraphie de zombies nordiques. Et Alain Côté a tenté encore une fois de se convaincre que son but était bon. Oui, c'est bon. C'est ce que vous le disiez à vos enfants, à vos petits-enfants. Le saviez-vous? À Québec, on peut changer de ville natale. Juste pour vous dire qu'à Marianne, on fait 29 ans à Québec et 28 dans son pays natal. Donc son pays natal, maintenant, c'est Québec. Plus canadien ou nordique, vous? Bon, quand les Nordiques étaient là, bon, ça dépend là, celui qui se rendait plus loin. Le slogan du Canadien cette année, c'est « Je suis Canadien », puis les Nordiques reviennent, ça va être « Je suis Québécois ». Ça, je pense que ça passe trop mal du siècle. Le temps de revoir la célèbre bataille du Vendredi Saint sur du Vangelis. Puis voici le grand Peter Stachny sur une musique de clown. C'est noir, cet océan de bleu. C'est incroyable, c'est émouvant. Le chum ou les Nordiques en premier? Hein? Le chum ou les Nordiques, on va l'avoir en premier? Non, le chum, ça va venir très, très rapidement, donc on devrait l'avoir au moins la première pelletée de terre. Pour les Nordiques, on va espérer qu'on va les avoir au moins en même temps. Ça veut dire un retour en 2028 avec des coûts de 2 milliards. Vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer des suggestions de nouveaux chandails pour les Nordiques et de nouveaux noms. Nous avons séparé ça en deux catégories. Premièrement, la catégorie sérieuse. Mine de rien, vous nous avez envoyé deux très beaux chandails qui feraient assurément des Nordiques un club bien mieux habillé que par le passé. Ne manque que les joueurs en dedans. Deuxièmement, la catégorie un peu moins sérieuse.
Pourquoi pas les Boys de Québec, les Revenants de Québec, les Régis de Québec, le Moulin à Images de Québec, les Nordiques Haute Vitesse, les Régis Red Bull PKP ou tout simplement toutes les filiales de Québecor au grand complet de Québec. Et en terminant, plusieurs ont tenté de renommer aussi Badaboom. Voici les suggestions les plus intéressantes. Ont retenu notre attention Pédaboom, Laboboom, Bédaboom, Luc Lavoie, Bonhomme Labaume, Pécopic et Pécapoum. Continuez à nous écrire en grand nombre. Le concours est ouvert jusqu'à ce que le nouveau Colisée soit construit. Après la pause, une plante et des gulchis. Studio 12, c'est dimanche, 23h. Sirius vous invite à participer au grand vote populaire de la disque et choisir les interprètes et le groupe de l'année. À gagner, un voyage pour deux à Paris, 5 000 $ et une radio satellite Sirius. Rendez-vous sur radiocanada.ca/Asie. Bonne mission. Ici Denise Bombardier, n'est-ce pas? Meilleure amie de Céline et maître au cirque en remplacement de Pauloud. Mais il est hors de question que je le remplace à l'émission de celui qui m'imite en mettant une vulgaire boîte de carton sur la tête. Voilà, c'est dit. 3600 secondes d'extase ce soir 21h à Radio-Canada. Samedi, le meilleur football universitaire se joue à Radio-Canada. Québec-Montréal, un rendez-vous unique en saison régulière. Le match le plus attendu, Rouge et Or contre Carabin, samedi 13h à Radio-Canada. Nous parlons innovation et nous parlons aussi hybride. En fait, nous parlons hybride si bien que nous savons dire 1200 km avec un seul plein. En d'autres mots, 4,6 litres aux 100 km en ville. Ce qui fait de la fusion la berline intermédiaire la plus éco-énergétique et la plus vendue au Canada. Nous parlons Ford Fusion hybride. Ça, c'est Ford aujourd'hui. Montez à bord. Le lavage, c'est plus la galère avec les nouveaux Metag Bravo. Tout comme une laveuse à chargement frontal, la laveuse Bravo a une consommation réduite d'eau et d'énergie avec la facilité du chargement par le haut. Vous pourriez gagner un duo Metag Bravo. Regardez la galère le lundi à 21h, notez l'indice et inscrivez-vous en ligne. Les nouveaux Metag Bravo. Conçu pour durer. Nous ne ferons aucun compromis. Nous ne céderons pas. Et jamais nous ne sacrifierons notre plaisir pour les aspects pratiques. La primée et performante Mazda 3. Vroom vroom, aujourd'hui, demain, pour toujours. Savoureux. Ça peut commencer au micro-ondes. Le riz Bistro Express d'Uncle Ben's. Prêt en moins de 2 minutes. Comment expliquer ça? J'ai jamais pris un virage comme ça. L'agilité, l'élégance. J'ai jamais roulé comme ça. Je peux faire ce que je veux. Ça s'explique pas. Atlas CB11 à partir de 38 095 $. Visitez Mercedes-Benz 3 Rivières pour tous les détails. Vous allez voir que tout le monde en parle avec Guy Lepage dimanche 20h. À Radio-Canada. Tout à l'heure, nous avons rendu hommage à Maître Suzanne Côté avec ses objections. Mais il y a aussi Maître Dugas, l'avocat du Parti libéral, qui s'objectionne pas mal souvent. Mesdames, messieurs, voici un autre édifiant moment de la commission Bastarache. Non. Là, maintenant, je peux faire une objection. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la commission. J'aimerais ça qu'on retire cette parole-là, s'il vous plaît. Comme ça, je vais faire une objection. Là, monsieur le commissaire, on est rendu en 1983, 4, 5, 6, là. Mais du gars, vous devrez, après ma question, là, c'est, vous êtes très cassant, là.
Je vais m'objecter, la question est trompeuse parce que c'est pas en guillemets. Si je peux terminer ma question, monsieur le commissaire. Oui, c'est mon confrère n'a pas besoin de se lever comme un ressort, là. Êtes-vous effectivement un grand conteur d'histoire? Bon, ça m'arrive de compter des histoires, oui, à la pêche ou à la chasse. Okay. Alors, pourquoi aller à la pêche? Encore une fois, là, c'est plus qu'une partie de pêche, c'est de la chasse combinée. Il me semble que c'est une expédition qui mène nulle part. Monsieur le commissaire, je pense que je vais demander qu'on m'installe un tabouret parce que je suis presque aussi souvent debout que mon confrère. J'en perds mon latin. C'est en mesure où vous le parlez, là, mais... Depuis le début de la commission Bastarache, l'équipe d'Infoman est extrêmement fascinée par la plante qui est toujours à côté des témoins. Est-elle vraie? Est-ce que quelqu'un l'arrose? Nous avons évidemment posé les vraies questions. Au début de la commission Bastarache, il y avait du vrai monde derrière les témoins et c'était très drôle. J'imagine que c'est pourquoi on a remplacé tout ça par une plante verte qui nous accompagne depuis maintenant 6 semaines. D'abord, il faudrait vérifier si elle est vivante. Ou si c'est une plante artificielle en plastique. Des soupçons de plantes artificielles. Pour entendre tout ce qu'il y a là, je pense qu'une plante naturelle ne supporterait peut-être pas. On soupçonne la célèbre plante d'être soit une Diefenbeckia, une Aglaonema ou une Spatiphyllum de bonne famille. Comment vous faites pour savoir qu'elle est en plastique, celle-là? Il me semble qu'elle est trop clean. Hein? Elle n'a même pas une petite feuille de brisée, même pas une petite tache. Justement, est-ce que c'est plausible pendant 6 semaines que la plante ne change à peu près pas d'aspect? Non, ça, je ne comprends pas. Durant 6 semaines, dans un endroit comme ça, où, somme toute, il y a beaucoup de monde, et qu'il reste à la même place, qu'elle ne soit même pas déplacée, même pas tournée. Vous savez, un jardinier, généralement, lorsque ça arrose une plante, ça la tourne un peu, ça va essayer de trouver le plus beau côté. Ça reste que là, elle semble toujours au même endroit. Elle est peut-être collée au sol, remarquez bien, mais ça, c'est pas vérifié. Ce qui est drôle, c'est que ces plantes-là, de toute façon, sont toxiques. Parce que si on en mange, on perd un peu la voix pendant un certain temps. Ça gratte un peu, c'est pas dangereux. Mais en fait, ça pourrait créer quelques problèmes. Alors imaginez-vous, là, mettre une plante semi-toxique, entendons-nous, dans une commission d'enquête. Marqué, c'est peut-être ça que Jean Charest a mangé, il n'a rien dit. Ah! Si M. Bellemare était venu s'asseoir pour me dire ce qu'il a dit, je m'en serais rappelé. Vous voulez attirer l'attention médiatique? C'est simple. Faites des gulchis. C'est extrêmement efficace. Scène surréaliste cette semaine, downtown Montreal, alors que des étudiants sont allés faire cuire des grilled cheese devant le bureau de Jean Charest. On distribue des grilled cheese. Donc, le message qu'on veut lancer, c'est que des étudiants universitaires vivent une situation qui est précaire. Donc, un exemple, l'aide financière aux études octroie seulement 7 $ par jour pour manger, ce qui donne une alimentation qui est en bonne partie basée sur grilled cheese, Kraft Dinner, nouilles ramen, éventuellement du riz. Beurre de peanuts. Beurre de peanuts, c'est très nourrissant. Et comme il n'y a rien qui se passe à Montréal ces temps-ci, tous les médias de la ville étaient venus filmer les grilled cheese. Êtes-vous surpris de la quantité astronomique de police pour 3-4 gars qui font des grilled cheese? Ben, c'est le bureau de Charest. Hein? Les gens sont inquiets, mais on n'est pas là pour foutre le bordel. On est tout simplement là pour envoyer un message à la population. Puis à présent, tout se passe dans l'ordre. Pauvre police, perdre l'heure avant midi en si grand nombre pour un vulgaire barbecue. Les gars, voulez-vous un grilled cheese? Non, un grilled cheese, les gars? Non, OK. Vous voulez voir un grilled cheese? J'en ai pris dans la manifestation. Non, Vous voulez voir un grilled cheese, les gars? J'en ai pris dans la manifestation. Non, merci. Vous voulez voir un grilled cheese? J'en ai pris dans la manifestation. Non, merci. OK, vous n'avez pas le droit de grilled cheese, c'est la job. J'espère que vous allez avoir plus d'argent parce que vos grilled cheese sont très mauvais. Ah, j'en doute pas. On n'est pas des grands cuisiniers. Avis à tous, si vous voulez attirer l'attention médiatique, faites des grilled cheese. Après la pause, au sauna avec Carla. Les docteurs, dès le 11 octobre. Cette émission vous est présentée par la ligne J'arrête. Vous voulez arrêter de fumer? Appelez au 1-866-JARRÊTE. Un de nos spécialistes sera à votre écoute et vous aurez ainsi beaucoup plus de chances de réussir. Cette maison n'est pas une garderie. Et pourtant... Autre lieu. Ici, il y a 14 enfants pour une éducatrice. Là, 17 enfants dans une seule pièce. 55 enfants. Et aucun permis du ministère de la Famille. Il n'y a pas de personnel qualifié ou les conditions de sécurité ne sont pas assurées. On se laisse pas croiser par des lois ridicules qui vont nous faire perdre de clientèle. Enquête met au jour le business des garderies illégales. On attend quoi qu'il y ait 10 poupons de décédés dans un sous-sol? Enquête, ce soir 20h, à Radio-Canada. Thank you.
train d'épargner? Épargne Placement Québec. Vos économies garanties à 100%. Escape. Ça veut dire s'évader. N'importe où. On y va? Le Ford Escape. Sa garde au sol de 8 pouces. Sa transmission 4x4 intelligente. Son système de divertissement. Toutes ses caractéristiques de sécurité sont tirées. C'est agréable à conduire. Avec son moteur V6. Et son 4 cylindres. Ou en version hybride. C'est un des V8 les plus éco-énergétiques de la planète. On fait équipe. J'en conduis un. Le Escape 2011. Ça, c'est Ford aujourd'hui. Montez à bord. Durant les soldes d'automne, chez Meubles en Frac, payez moins cher pour vos meubles. Mobilier de salon inclinable en cuir, fauteuil 499, causeuse 699, sofa 799$. Profitez des soldes d'automne chez Meubles en Frac, 3805 Bellefeuille. Ce tapis-là est magnifique. Avec une belle armoire, très design, des divans de cuir, je peux pas résister. Encore quelques accessoires et ça va être parfait. Chez Accent Meubles, c'est l'événement Elran. Économisez l'équivalent des deux taxes sur tous les produits Elran ou bénéficiez du financement jusqu'à 36 mois. C'est le moment de redécorer. Ameublement Trifluvien, 100% meubles, 100% Trifluvien. Votre Accent Meubles, 2239 Boulevard des Récollets. Comment expliquer ça? J'ai jamais pris un virage comme ça. L'agilité, l'élégance. J'ai jamais roulé comme ça. Je peux faire ce que je veux. Ça s'explique pas. Ça se conduit. La classe C 2011 à partir de 38 095$. Visitez Mercedes-Benz Trois-Rivières pour tous les détails. Durant les soldes d'automne, chez Meubles en Frac, payez moins cher pour vos meubles. Mobilier de salle à manger, 6 pièces, 499$. Sectionnel réversible en microfibre et polyuréthane, 699$. Profitez des soldes d'automne chez Meubles en Frac, 3805 Bellefeuille. À la flaque, c'est dimanche 19h30. Ah, Chantal, justement, je voulais te demander, qu'est-ce qu'on fait dans un sauna? Ben, on est venu se détendre, on élimine de la toxine, puis parce que je voulais te parler dans l'intimité. De qui? Je voulais te parler de Carla Bruni. Hein? Parce que j'ai lu Une vie secrète, Carla et les ambitieux. Puis j'en ai, ce n'est pas une femme pour toi. C'est pas une femme pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi j'en ai. Voici le photoroman de Pourquoi Carla n'est pas une femme pour moi. Parce qu'elle vient d'une famille italienne d'aristocrates un peu trop dysfonctionnelle. J'adore les familles dysfonctionnelles. Ça irait pas avec tes origines de Saint-Jérôme. Non. Non. Je sais aussi comment t'es partisan du naturel. Ah. Hein? J'adore le naturel. Puis de la femme qui se laisse vieillir. J'adore la femme qui se laisse vieillir. D'ailleurs, oui. Je t'aime beaucoup. Carla s'est refaite en tabarouette. Ah oui? Mais oui. Les seins depuis les années 90, et à 24 ans, le nez qu'elle n'aimait pas, et aussi, elle ne veut aucun rythme dans la vie. C'est l'angoisse totale depuis qu'elle a 24 ans. Alors, elle a une méthode, Carla. Elle se colle des bouts de papier dans la face, et elle se regarde dans le miroir, et rien ne doit bouger. Comme ça. Rien ne doit bouger, pas de ride, rien ne doit bouger. Ah, ça fait du bien. Il arrive quand, Sarkozy, là-dedans? Ben, quand Cécilia l'a quitté, Sarko a cherché son sosie. Ensuite, il s'est tourné vers Carla. Elle tombe follement amoureuse dès le premier souper. Ah ouais? Ah ouais, toutes sortes de répliques, zwing-zwing, de petits apartés, comme lorsqu'elle raconte qu'elle est avec Mick Jagger et dit. Ah, dis-moi, Carla, comment tu peux être amoureuse d'un homme au mollet si ridicule? C'est une blague présidentielle. Il lui dit vers la fin du souper, Carla, et tu capes de m'embrasser ici, comme ça, sur la bouche, devant tout le monde. Elle l'a fait? Elle l'a fait, ils sont partis main dans la main. Elle se débrouille bien quand même comme première dame, presque autant que Michou. Oh non, Michou est impeccable parce que Carla, il y a toujours quelqu'un pour rapporter ses faits et gestes. Quand elle suit une fondation là, pour aider les jeunes enfants malades en Afrique,
Elle a toujours la petite lingette désinfectante. Elle se plaint qu'il y a des moustiques un petit peu partout. Elle a très hâte de rentrer à la maison. Elle touche le pauvre avec des pincettes. C'est l'anti-Lady Di. Mmh. Et elle a la maudite manie d'avoir des mauvaises conversations, comme à Michelle Obama. Elle arrive en retard et dit « Nous sommes en retard, car moi et Nicolas faisions l'amour. » Fait que finalement, Carla, tu te dis, ben, elle mieux de garder sa carrière de chanteuse. Ouais. Elle avait envie d'être actrice. Alors, tu veux la guerre? Il ne faut pas qu'on la laisse parler, compris? Philippe, tu prends la main droite. Aimez-moi. Un peu. Ça me suffit. Comment c'est quelque chose de bon avec le thé vert Lipton? Parce qu'on choisit les meilleures feuilles à la main et qu'on les cuit à la vapeur ou à la flamme pour en dégager le goût et l'arôme d'une façon vérifiée qui respecte tant l'environnement que les producteurs locaux. Votre thé vert est donc non seulement plein de saveurs, mais il fait aussi du bien. Le thé vert Lipton. Pour bien faire ce samedi chez Rona, grattez et économisez de 10 à 50% instantanément sur tous vos achats. Jusqu'à 50% d'économie seulement ce samedi. Pour bien faire, il y a Rona. Quand mon grain parle, on écoute son franc-parler. On écoute son raisonnement. On écoute sa raison. Et surtout, son sens de la justice. Quand mon grain parle, on l'écoute à LCN. En semaine des 10 heures. Voyez, captez et envoyez. Faites partie de la nouvelle en nous envoyant vos vidéos et photos à montopo@tva.ca. La possible création d'un nouveau mouvement politique suscite des réactions aux antipodes. Une attaque en règle de François Legault contre le Marois. Je me sens pas menacé. Jean Lapierre nous dira ce qu'il en pense dans un moment. 9 clandestins sont retrouvés dans un conteneur au port de Montréal. On fait le point sur ce phénomène inquiétant avec Amnesty International. Le géant des airs, l'A380, se pose à Montréal, un premier vol commercial qui serait loin d'être le dernier. Aperçu qu'en donnant la vie, j'allais fournir de la chair à canon. Sa coalition de centre-droite a à peine pris son envol que déjà il fait jaser. Surtout parce que lui et Joseph Facal disent vouloir mettre sur la glace l'option souverainiste. Joseph n'a jamais renié le fait qu'il était souverainiste. Puis j'ai pas entendu François dire qu'il n'était pas souverainiste non plus. Mais je peux pas empêcher un cœur d'aimer. S'ils décident qu'ils veulent faire autre chose dans la vie ou qu'ils ont des convictions différentes, c'est à eux de le dire. Invité à l'émission La Roque-Lapierre, diffusée dimanche à TVA,